Et bienvenue pour l'épisode 28-29, comme j'ai fait les annonces il y a déjà 28. quelques minutes. 28? Ouais, 28. De la campagne au monde de l'histoire, table clan mineur. Aujourd'hui, ça va trancher. Comme on dit. Vous êtes dans le clan du lion. Et le clan du lion vient de perdre une petite tour de garde. Et ils sont Ouais, quand ils cause vont de voir ça. l'armée grue qui va arriver, ils vont être un peu plus furax encore. Oh là là, armée grue, tout de suite, les grands mots. Hein. Ils vont peut-être pas arriver. Ils vont peut-être Le pas arriver. petit bataillon, le troupeau de grues, la petite bande de grues, peut-être, mais une armée. Lyon pour avoir une armée. Un résumé plus détaillé peut-être. Quoi, tu n'es pas sur Rollisteam. Je suis en train. Un résumé plus détaillé. Et pour une fois, j'ai mis collé. Je prends les notes sous les yeux. Que je me rappelle, on avait démarré. Je dirais que les notes sont sur la portée. Ça dépend de la taille de la portée. Petite référence musicale. Parce qu'il n'y a pas de notes sur une portée d'arc. La corde donne le la. Enfin bref, arrêtons les conneries. On avait démarré où la dernière fois? Dans la tour? Ouais, on avait démarré dans la ouais, tour. Ouais, je pense. C'est vrai que là, ouais. On s'était mis d'accord pour savoir comment on s'organisait pour sortir tout le monde de la tour. Kokoe finit par décider de demander l'avis des lions qui voulaient plutôt partir de suite. Et en gros, elle a dit qu'elle les aiderait quoi qu'il arrive. Notamment parce qu'il y avait une chance que les lions obligent leur samouraï à rester dans la tour et à la défendre jusqu'à la mort. Et aussi parce qu'il y avait sa belle-sœur et son frère mais... oui. Dans les lions. Non, elle l'a fait avec honneur. C'est pas à cause d'un lien familial. Oui, bien sûr. C'est ce qui sera écrit dans le résumé. C'est ce que les Ikoma raconteront. C'est ce que les Ikoma raconteront, hein, voilà. Si tu gagnes ton duel. Oui, sinon, ça sera l'inverse. Tu nous as fait sortir par ton lien familial. Elle les a accompagnés avec Kikyo pendant que Yoake et Ichiro Kunika ont fait un peu diversion dans la tour, du moins, surtout Kunika. Ensuite, elles sont revenues avec Kokoe, puis on est tous sortis. On a dit au Ronin qu'il pouvait prendre la tour, qu'il n'y avait plus aucun risque. Kokoe a récupéré une Yojimbo du clan du Phénix. On est parti quand on a vu qu'une armée était en approche de la tour. On est parti pour le clan du lion. À la frontière, on s'est fait directement amener dans le fort, dans un des forts du clan du lion, qui manque d'effectifs. Yoaki était plutôt mal vu parce que c'est une grue. Les autres ont été plutôt laissés tranquilles. Ichiro a pu discuter avec sa sensei et des potes à lui de mémoire. Il a appris qu'il serait convoqué de moins. Que la grue et une certaine Ikoma avaient été mis en prison et donc seraient convoqués le lendemain pour expliquer la perte d'un fort. Et ensuite, rendez-vous le lendemain devant le Daimyo. Pour expliquer la présence de tout ce beau monde ici. Est-ce que tu as le nom du Daimyo? Je te dis ça, je vais le prendre dans ma feuille, je vais le noter dans ma feuille. Contact. Akodojima. C'est ça? Daimyo de Shiro Seizuka. Ouais, ouais. Donc, le Daimyo, je crois qu'il a commencé par me demander ce qu'on faisait ici. Donc, j'ai expliqué qu'on était là pour la paix. Ensuite, il a engueulé gentiment l'Ikoma en lui demandant pourquoi elle avait abandonné le fort, tout ça, pourquoi elle avait pas provoqué en duel sa chef. À quoi j'ai répondu que comme la chef était une Shugenja, il aurait fallu qu'il y ait quelqu'un pour la représenter. Et donc, Ikoma pouvait pas se représenter à la fois elle
et la Shugenja. Qu'il aurait fallu que moi, en tant que Grue, que je représente la Shugenja, sauf que c'était pas très logique qu'une Grue représente une Ikoma. À quoi le Daimyo a dit, bah, on va faire le duel maintenant. Ensuite, il a demandé à Kikyo pourquoi le clan de la guêpe s'occupait de la politique des clans majeurs, à quoi elle a répondu maladroitement et donc elle s'est fait démonter. Et il a demandé à Ichiro ce qu'il foutait ici également et il s'est fait aussi démonter. Et Kokoe, elle, a dit la vérité sur ce qui s'était plus ou moins passé, du moins, a dit la vérité de façon subtile sur ce qui s'était passé. Je crois qu'on s'est arrêté là-dessus. En effet. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas. Pour le résumé, non. Voilà. Et du coup, si vous avez des choses à rajouter à la cour, avant le duel, parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Hein. Du coup, Daimyo Akodo Dono, il n'est peut-être pas la peine d'en arriver à ce duel. Et pour quelle raison, Tsurushi Sama? Pour l'abandon tout fort, j'ai tout simplement la cause et la raison. Le suspense est intenable, Tsurushi. Déjà, Daimyo Dono, permettez-moi de m'excuser. Je n'ai pas été très clair quant à ma présence au sein du fort en compagnie de mes compagnons. Si je suis avec eux, c'est parce que mon Daimyo m'en a donné l'ordre. J'avais pour mission de les surveiller et de m'assurer qu'ils n'avaient rien à voir quant à l'attaque des Gaijin au niveau du clan du Phénix. Pour ce qui est du fort, la raison est simple, Daimyo Dono, c'est que alors que le fort était tenu, il pouvait tenir encore sans doute un petit moment, la donne a changé quand une armée s'est dirigée vers lui, des terres grues. Alors, juste petit correctif, tu n'as pas à l'appeler Dono, hein. C'est pas ton chef supérieur. Hein. Ah, mais ça, c'est juste plus par respect, en fait, tu vois, quoi. Ouais. Dono, ça veut pas dire que tu es au même échelon que lui, justement, et du coup, si, ce serait complètement irrespectueux. Bah non, Dono, pour moi, c'est... Non, pour moi, Dono, c'est le titre que tu donnes uniquement à ton supérieur hiérarchique. Donc, à ton Daimyo, à ton... Ah bon, c'est pas à ton champion. La définition que j'en avais. Pareil. Ah, je pense que c'est la même définition que Coco. Peut-être, hein, peut-être, mais c'est... Je sais que moi, c'est ce que j'utilisais dans mon ancien MJ utilisé, mais... On fait ça, ouais. C'est ce qu'il y a dans le PDF, hein. Voilà. Je suis là-dessus. Ouais. Mais voilà, c'est pas grave, hein, mais dans l'absolu, je considère que t'as dit plutôt Sama, hein, que plutôt que Dono. Ok, moi, je disais Dono, c'était pour marquer le respect, tu vois, quoi, parce que bon, c'est quand même un général et tout ça, quoi. Ouais, mais technique, enfin, Dono, c'est trop. C'est vraiment destiné à quelqu'un qui est supérieur à toi et qui est ton. Tu peux le dire à un magistrat d'émeraude parce qu'il peut te donner un ordre, mais tu veux pas le donner à un lion très très haut placé parce que t'es pas du genre de lion en fait. Ok, ça marche. Non, auquel cas j'aurais dit. Voilà, mais le reste, tu peux continuer. Voilà. À l'approche de cette armée, il est clair que. La décision de garder le fort de vos troupes a changé. Il fallait pouvoir vous avertir de la présence de cette armée. Tu le vois qui prend sa respiration? Je serre les fesses. Il réfléchit. Il te fait signe d'approcher. Sweetie, bah j'y vais à genoux, hein, parce que bon, bah... Je m'approche sur les genoux. Lui se lève et du coup, de quel effectif d'armée parle-t-on?
J'ai pu estimer les trucs quand je l'ai vu l'armée ou... Ouais, tu peux... Alors, Ils avaient évacué avant qu'on voit l'armée, quand même. Oui, non, c'est un mensonge, mais ça passe devant le dernier. C'est un gros mensonge. Non, non, parce que la décision a été prise d'évacuer le truc comme ça. Moi, j'avais déjà vu l'armée, en fait. Hein. Non, tu l'as vu après. Non, avant. Non, non, c'est juste un mensonge. Mais Non, je l'ai vu avant. L'armée, on l'a vu avant. Du moment qu'il est crédible, ton mensonge, ça passe. Hein. Non, bah, c'est crédible parce que c'est. Moi, je l'ai vu l'armée, je l'ai vu avant. Non. Ah, non. Ça, je sais pas, j'avoue. Le MJ te l'a dit en aparté. Mais en tout cas, sur ce que le MJ a dit en direct. Ouais, tu l'as vu après leur départ. Tu l'as vu en revenant quand on est sorti de la tour à 4. C'est ça, donc plusieurs heures plus tard. Donc ouais, plusieurs heures plus tard. Donc après, mais c'est pas grave, c'est une façon de te justifier devant le daimyo, et je trouve pas ça aberrant. Dans les faits, l'armée était en mouvement avant que tu la vois. Hein. Tout à fait. Exactement. L'armée était en train d'arriver avant que tu la vois. Mais t'étais juste pas au courant, mais ça c'est pas grave. Tu peux passer sous silence le fait que t'étais pas au courant avant. Ah ouais, je me rappelais plus, hein, j'ai zappé. Bon, ok, tant pis. Ton mensonge était d'autant plus crédible. Mais disons que s'il s'en prend à moi après en me disant certaines choses en mode, du moins, ou s'il s'en prend à Kokoé comme quoi elle aurait menti parce qu'elle l'a fait sortir sans parler de l'armée, le problème c'est qu'on va être obligé de dire que l'armée, on l'a vu alors que les lions avaient déjà évacué. Quoi. Non, on peut très bien dire que nous n'avions pas vu l'armée. Ça marche. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Mais il va pas vous le demander. Enfin, il va pas vous le demander à vous. Vous êtes artisan artiste et Jugenja. Il va demander de votre avis de bataille dans l'armée. Alors rien à foutre. Hein, mais... En même temps, du coup, tu veux faire quoi? Tu veux faire un petit jet de compétences art de la guerre pour voir à peu près combien de trucs il y avait? Okay. Ouais. Intelligence art de la guerre. Intelligence. Ok. Parce que tu te souviens. Tu veux essayer de te rappeler. Et de... Ok. Oh, le pauvre petit 19, quoi. Ah, j'ai pas mis le chat. Belle. Des tâches de view. Voilà. Un 19. C'est ton souvenir, hein, donc c'est pas très vieux non plus. Donc. Bon, tu lui dis ce que tu estimes avoir vu, en fait. Alors évidemment, tu sais pas si tout va, si comment dire, s'ils vont pas se séparer plus tard, etc. Hein, donc, mais ok. Donc il réagit pas. Moi, je reste à genoux, face contre terre, parce que bon bah voilà, il est devant moi, donc c'est le chef d'ici. Il a posé la question à Ikoma. Du coup. Dommage. Je crois que je vais me faire raccourcir. Elle, en toute logique, elle l'a même pas vu, l'armée. Elle sait même pas qu'il y a une armée, donc elle, pour mentir, bon courage. Elle a peut-être des talents. Oui. Mais du coup, j'étais persuadé que je l'avais vu avant, donc du coup, bah tant pis. Hein. Tant pis. Tac tac. Elle va mentir. Elle va mentir. Elle va. J'en étais sûr. Elle va gruger. Quelqu'un de bien. Elle va dire qu'elle était en patrouille dans la matinée et qu'elle l'a pas vu. Elle a pas pu être en poste. Enfin, elle était pas en poste en hauteur sur la tour. Elle n'a pas vu les alentours, mais. Patrouille à la cave. C'est l'idée. Elle était en patrouille et le matin. Et après la matinée, le reste de la matinée, elle était à préparer les packages, le départ. Là. Donc non, elle a pas vu l'armée. Mais ça semble pas, comment dire, pas impossible. Je vais lancer d'une petite voix. Kunika-sama a également vu l'armée. Il faudra peut-être affiner l'estimation, surtout avec les enseignements qu'il a reçus du clan du Lion. Oui, bah, c'est vrai que lui il a beaucoup dans la guerre maintenant. Ouais, il va confirmer aussi. Moi j'ai sorti mon éventail hein, devant cette conversation qui me semble lunaire. Ouais. Clairement. Hein.
Je me dis, mais qu'est-ce qu'ils sont encore en train de foutre? Bah, disons que je préfère tourner la phrase comme il faut pour qu'ils ne posent pas la question qui fâche à Konika. Surtout, tu as bien fait parce que s'il demande pourquoi vous m'en avez pas parlé, Konika. J'ai repris Kasama. Voilà, c'est mieux comme ça. Du coup, il y a une jeune femme qui va, une jeune femme qui va parler pendant que son démio réfléchit. Donc, c'est une lionne, évidemment. Est-ce que j'ai le nom qui traîne? C'est la démio de Konika. Pas la démio, la sensei, je veux dire. Qui va dire que. Qui va inviter Hiro Konika à le suivre quand nous avons une affaire urgente à régler à propos de cette armée. Bon, alors j'espérais qu'il y ait quelqu'un qui parle de l'armée, mais j'aurais bien aimé que ça soit de façon plutôt. moins portée dans le mensonge, quoi, mais bon. Donc c'est Akodo Fumi qui parle et qui invite Ichiro Konika à la suivre. Du coup, Akodo va dire à Dikoma que que la stratégie de quitter le fort était entendable face à une armée aussi grande. Et il reste toujours à régler la compensation de cette perte. Et quitte à Yoake-sama. Mais vous n'aurez pas à dégainer votre lame ce soir. Je fais un signe de tête. J'ouvre pas la bouche. Hein. Alors lui, il aura peut-être vu qu'il y a eu un changement au niveau de mon état d'esprit. Hein. Mmh. J'ai sorti mon éventail, donc automatiquement, je cache certaines choses, quoi. Ouais. Toute la scène, mis à part la conversation qui est effectivement lunaire dans le propos qui est un peu, lié à la réalité. Vous êtes dans des bâtiments qui sont immenses et ouais. Peu nombreux dedans, quoi. Donc ça ajoute un côté un peu un peu bizarre. Ouais, parce que le moindre déplacement que vous devez faire, vous prend des plombes parce que c'est géant comme endroit. et vous pouvez marcher 10 minutes dans la forteresse avant de croiser quelqu'un. Hein. Donc, D'accord, ouais, donc il n'y a vraiment plus personne. Ah oui, ils sont vraiment sous-effectifs, quoi. Ouais. En fait, c'est une caserne pour stocker des gens, qui peut abriter des gens. Donc, pour défendre la forteresse, il y a entre guillemets ce qu'il faut, mais c'est pas une forteresse qui est. Enfin, la défense, c'est pas ça. Enfin, l'endroit, c'est un lieu de vie pour une armée, presque. Hein, donc, voilà. Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier? Sortir de la pièce dès que j'en aurai l'occasion. Ouais, ça va être faisable. Hein. Je vais demander moi au Daimyo s'il m'a demandé une discussion en privé en l'occurrence. C'est ce qu'il allait faire en fait, c'est ce qu'il allait te parler en fait. Il peut. Et du coup, elle se retrouve en privé avec le Daimyo, c'est ça? Ou est-ce qu'on est toujours là? Juste que je sache. Je pense que le Daimyo va te poser une question du genre Kekita Yoake-sama, donc si une attaque arrive, quel est votre rôle, statut ici? Otage. Daimyo-sama, que diriez-vous de discuter de cela en privé? Très bien. Si vous le savez, je peux convenir à un entretien privé. Je m'incline.
Ah, c'est pas désagréable d'avoir une belle grue en entretien privé. Ouais, mais... Enfin, actuellement, peut-être que si, en fait, hein, pour les lions. Bah, en fait, comment dire, c'est, tu l'as senti, en fait, c'est... Mais ouais, j'ai de courtisan intuition, tiens. On va voir si tu lis C'est un... c'est GS, hein, quand il y a l'SP, c'est ça. Ouais. S majuscule ou pas? Oui. Est-ce que je peux me rendre compte de ce qui... justement, de la même façon, en observant le daimyo, de ce qu'il a l'air de vouloir en faire de ma cousine, quand même. Ah. Parce qu'il la voit comme une otage, qu'il la voit comme une diplomate, enfin voilà, que, de quelle façon il la perçoit. Bah oui, tu peux essayer. Ouais. Essayer. Alors, c'est de... C'est sous quoi? Intuition en courtisan, je pense, ça me paraît pas mal. D'accord. Bon. Moi, j'ai fait 44. Ok. Tu... Comment dire? C'est moins bien, mais c'est pas si dégueu. Il se méfie. Il se méfie. Il a peur d'être manipulé, tu penses? Ouais. Ok. Et donc, il a hésité à... À ça, il préférait peut-être avoir... Je vais prendre les devants, même s'il a accepté. Je vais dire, si vous voulez que... Ah merde, j'ai mangé le nom d'assistant, tu sais, des Daimyo. Caro. Votre Caro vous accompagne, n'hésitez pas à Kodosama. Très bien. Il comprend que j'ai pas envie de parler devant 15 bouchis lions, des samouraïs de clans mineurs parce que c'est de la politique, donc grosso modo, hein, c'est pour ça que je veux un entretien privé. Il va demander du coup à aux deux autres. Alors, avec ton 33, tu le sens un peu interrogateur et un peu méfiant vis-à-vis de ta cousine, mais pas forcément agressif en tout cas. D'accord. Voilà. Je devrais pas la retrouver en cache, quoi. Non. Ou en plus, de toute façon, c'est pas trop ce que font les Akodo, généralement. Oui, et puis en plus, ça lui déplairait pas. Enfin, ça... Ça m'enfermer dans sa chambre, quand tu voulais. Mais du coup, le démo, Komori Kokoe-sama. Akodo-sama. Le... Quel sera votre rôle au sein de mon fort? Nous sommes assiégés. Je vous propose de faire ce que j'ai toujours fait en situation de conflit, prendre soin des morts et des blessés. Très bien. Hiroshi Kiyosama, je vous pose la même question. Le clan de la guêpe participera-t-il au combat? Je suis votre invité, Demusama. Je suis votre obligé le temps de mon séjour chez vous. Si vous avez besoin de mon aide, je vous aiderai. Bah, il comprend que c'est oui, en fait. Ouais, je sais pas trop comment. Ouais, d'accord, mais... Ok. Il vous invite à retourner à vos habitations, il enverra des messagers si nécessaire. Eh ben, je ne me fais pas prier. Et du coup, Kakita, tu peux rester. La pièce se vide un petit peu, donc il y a moins de... Alors, il va y avoir quand même un garde du corps qui va rester. Hein, qui... L'Ikoma, elle sort aussi ou pas? Elle sort avec nous ou pas? Oui. Je vais essayer de me rapprocher d'elle. Ikoma-sama? Komori Kokoe-sama? Pardonnez-moi, mais savez-vous si... Tout s'est bien passé pour mon frère? Oui. Vous me rassurez. Ils sont en route vers la bonne destination. Parfait. Et sur des routes qu'ils semblent tout à fait... Eh bien, j'en suis soulagée. Je pourrais sereinement aider votre clan à faire ce qui doit être fait en cas de... Et je vous remercie. Et je vais me hâter de rejoindre Kikyo. Ah bah Kikyo, elle part tranquillement, mais pour chercher le... l'archiviste là où le... Bah, je vais trop jaune, le gars que m'a désigné, enfin que m'a recommandé le Shugenja la fois dernière, quoi.
Ça marche. Bah, je vais te rejoindre quand même. Ouais, mais tu peux. Sauf si tu me chasses. Ah non, absolument pas. Tu peux. Gakita Yoake, le Demio va te faire patienter 5 minutes. Où il va discuter avec des lions. Oui, il y a oui. Ta lecture sur les lèvres, tu comprends que ça parle stratégie militaire. Oui, ok. Voilà. Et que il donne l'ordre d'envoyer des éclaireurs et de surveiller ce que fait cette armée et de savoir où elle est. Ok. En l'occurrence, j'aurais sorti sûrement un parchemin pour écrire un peu, pour commencer à écrire un poème, ce genre de choses. Quoi. Et du coup, il revient. Et du coup, 5 minutes après, il va venir vers toi et il est accompagné d'une jeune femme, okay. Jeune, voilà, qui une Nikoma. Je reroule mon rouleau de parchemin et me réincline hein, devant les deux. Odo-sama, Ikoma-sama. Taiyoake, c'est un peu étonnant comme circonstance, alors que nous sommes peut-être à la veille d'une bataille, avoir un diplomate du clan dans nos murs est un peu particulier. Avez-vous le statut pour donner des ordres à cette armée? Bien sûr que non. Déjà, je voulais. Sachez que je ne pouvais bien entendu pas parler de cette armée sans trahir mon clan, donc ce n'était en aucun cas pour vous tromper que je suis ici en parlant de diplomatie. Ma présence n'a rien à voir avec cette armée, du moins. Oui, c'est vrai, ma présence n'a rien à voir avec cette armée. Espérons que ça le reste. J'espère pouvoir aller parler peut-être à cette armée pour... espérer inciter Sumesama au calme, mais je ne garantis pas ma réussite. Vous pensez que Sumesama commande cette armée directement? Je ne sais pas, je l'espère. Si c'est le cas, ça sera plus facile pour moi. Je pense que vous méprenez sur la personnalité de Sumesama. Ryusama. Il a jamais commandé Non, c'est pas ce qu'il dit. Il dit pas qu'il a pas commandé, il dit juste que si tu penses que c'est plus facile de négocier avec lui, non. C'est ça qu'il dit implicitement le lion. Dans ce cas-là, je dis que... Parce que t'as dit que ça serait plus facile si c'était lui. Non, lui, il dit que non, si c'est lui, ça sera pas plus facile de négocier. Hein. Ouais. Moi, je le vois que si c'est plus facile parce que parce que même si je convainc le général qui a été envoyé par le Tsume, si le général m'écoute, il va sûrement faire ses poucou parce que le Tsume lui a donné un ordre. Alors que si je parle directement à celui qui a donné un ordre, c'est quand même un peu plus facile à négocier, quoi. Oui, non, mais c'est dans ce sens-là. Oui, d'accord, t'as ta vision, mais voilà. Voilà. Comme je dis concernant ma présence ici, je suis ici pour inciter à la paix. J'ai vu ce qu'entraînait des conflits entre les clans à la capitale dans des moments extrêmement compliqués. Et l'état de l'Empire n'est pas pour une guerre fratricide, n'est pas dans un bon état pour une guerre fratricide. Il y a eu suffisamment de morts entre le clan de la grue et le clan du lion, pour l'instant, je pense que nos deux clans ont besoin de leur armée au sud. Mais voyez-vous une armée entre ces murs? Non. Si l'armée attaque, elle ne trouvera qu'un château vide. Je ne suis pas général, mais je ne souhaite pas que mon clan rentre plus en amont dans les terres du clan du lion. Ça fera qu'envenimer la situation diplomatique. Malheureusement, je pense que c'est inévitable sans vouloir vous apprendre le béaba de la stratégie militaire. Avoir
un point non contrôlé derrière ces lignes est un poignard qui n'attend que de vous transpercer. Maintenant que ce poignard a disparu, la famille Tsume a, comment dire, a la possibilité de faire une grande partie de domino et où nous allons tous tomber dessous. Je suis... De toute façon, il sait que je ne porte pas le Daimyo Tsume dans mon cœur, hein, vu ce qu'il a fait. Mmh. Je cautionne clairement pas ce qu'il a fait à une famille vassale à Kodo, donc... Si c'est pas indiscret, allez-vous combattre à Kodo-sama. Bien sûr. Si l'armée se présente, nous défendrons la forteresse comme il le faut, mais... C'est du... La forteresse ne sera pas facile à prendre et chaque homme sur une fortification en vaut 10 à ses pieds. Et si je fais en sorte que l'armée n'attaque pas, est-ce que vous considérez que la paix est possible avec malgré la perte du dernier fort des terres C'est quoi le nom de la région La vallée machin, je sais plus. Voilà. Je me rappelle plus non plus, c'est la vallée de... Ah, le coup de traître OMJ là. Non, vas-y, je l'ai sur la carte en plus. Ouais, c'est à l'écran. Sur ma carte, la vallée, donc j'ai pas le nom des. C'est la Kintani Vallée. La vallée ouais. Kintani. La vallée de Kintani, c'est ça. Est-ce que vous considérez, bah voilà, que. Écoutez. C'est pas vraiment de mon ressort. Moi, l'armée, la paix, elle m'est imposée puisque nos troupes sont loin et engagées sur d'autres choses. Il est vrai que la perfidie que montre la famille Tsume a attaqué dans ces moments est particulièrement opportuniste et il est fort probable que des gens demandent vengeance. Justice dans quelques temps, quand les choses seront revenues à leur place. Mais... Je doute que la forteresse ici présente tombe en... facilement. Ils n'ont pas réussi à prendre la petite tour de guet pendant des mois. Ça vaut très même plus que ça. C'était des Ronin qui assiégeaient cette tour de guet. J'ai horreur de Ronin. Certes, mais... Il n'avait pas l'air très courageux devant certaines manipulations de Shugenja. Mais bon. Donc si je comprends bien, vous êtes prêt à négocier avec le avec l'armée qui va arriver afin qu'il n'attaque pas. Oui. C'est votre idée. C'est mon idée, effectivement. Écoutez. Je ne peux pas dire que je réussirai. Nous verrons si les Camis sont avec moi. Les Camis les fortunes d'ailleurs. Là. Mais j'ai un certain nombre de cordes à mon arc pour négocier. Bah, nous verrons, nous verrons. Concernant ma présence ici et mon statut par rapport à vous, je n'ai pas à vous donner d'ordre. Mais sachez que si vous voulez faire de moi une otage, ça n'empêchera pas l'armée de Tsume d'attaquer, en tout cas. Il est probable que nous puissions quand même négocier quelques choses avec ça, mais je doute que nous ayons besoin d'en arriver là. Sachez que mon honneur ne cautionne pas ce qui est en train de se passer sur ces frontières, ou même ce qui a pu se passer il y a plusieurs années. Et je n'aimerais pas que une deuxième famille soit décimée à cause du même homme. Le plus perturbant, c'est que le Daimyo de la famille Tsume ait eu le soutien de votre clan, même malgré ses méthodes particulières. Je pense que cela cache des choses. Je ne saurais que vous inviter à peut-être vous y intéresser. Vous semblez honorable. Peut-être que vous arriverez à comprendre les jeux qui se trament dans votre clan. Je ne répondrai pas à ça. En gros, ma non-réponse est une réponse en soi, donc
comprendra ce qu'il aura, ce qu'il voudra comprendre. Si l'Icoma est un peu courtisane, elle comprendra que. Oh, mais il a compris aussi, lui aussi, ouais. Hein, pas de soucis. Hein. Mais il a pas tort. Enfin, Ah oui, non, mais c'est pour ça que je comprends. Je suis totalement au courant et je sais bien qu'il y a des choses à sortir du fond du placard pour gérer. Donc. Avez-vous d'autres choses à. Avez-vous... Non, Akodo-sama, si vous-même vous avez plus rien à évoquer, je n'ai plus rien à. Du moins. Je n'ai plus rien à dire, en tout cas au niveau politique. Donc, Katana, tu l'as. Il est posé sur un atelier à l'entrée de la pièce. Oui, et techniquement, il est scellé. Ouais. Il va juste te dire de le laisser dans ta chambre. Tant que tu es dans la forteresse. Bien, Akodo-sama. Et il te laisse reprendre une activité normale. Ok. Je me passe aux autres. Donc, du coup, je rejoins Kikyo. Ouais, Kikyo, tu vas voir l'archiviste. Avant qu'elle arrive chez l'archiviste, je n'aurais pas osé, mais je dois admettre que vous avez réglé la situation. Je regarde mes pieds, je regarde le plafond. C'est-à-dire que ça n'a pas tout à fait tourné comme je le souhaitais, mais bon. On va dire que, effectivement, j'ai pu aider. Au moins, au moins, il n'y a pas eu plus de morts. Bien, vous souhaitez vous préparer pour ce qui s'annonce ou... Non, je n'ai qu'un besoin, un samouraï est toujours prêt. J'ai juste un document à faire déchiffrer pour une promesse que j'ai faite. Un document à déchiffrer ? Oui. Très bien. Voulez-vous que je vous accompagne ? Bah, bien sûr, vous pouvez. Je n'ai rien à cacher. D'ailleurs, si vous souhaitez l'étudier, ça me gêne aucunement. Bien, oui, je dois pouvoir faire ça. Ça ne vous gêne pas de me le confier. Alors, on va à l'archiviste quand même, histoire de... Oui, on va s'installer dans la bibliothèque. Puis, je ne souhaite pas vous le confier. Ce document est passé entre de nombreuses mains et... Non, chaque main qui l'a touché, malheureusement, n'est plus. Me laisser le consulter. Ouais, Obi. L'archiviste va vous voir, le bibliothécaire plutôt, on va dire le chef de la bibliothèque. Donc un vieux monsieur qui sent le violet. Voilà, ce petit parfum. Samurai Sama, on m'a dit que vous cherchez à me parler. Il porte des mônes ou un truc dans le genre ou... Ah c'est un Icoma, oui. Ok. Ah, la façon dont tu as présenté, j'ai cru que c'était un ennemi. Je te l'ai donné son nom ou pas Non, tu m'as juste dit qu'il m'avait donné un contact, j'ai pas de nom. On va faire un Icoma quelque chose. Tu peux me générer un nom. Et tu le mets dans ta fiche, et puis comme ça, je le récupérerai dans le zone. Et pas 8 syllabes, hein, le prénom. C'est bien, les prénoms en une syllabe. Hein. Oui. Alors, Fumi Tsui. Fumi. Non, Fumi, on a déjà. Ah, qu'est-ce que c'est... Bah, Sui. Ah, tu peux l'appeler Hiro, alors. Voilà. Icoma Sui, voilà. il est noir. Il ramène les cheminées. Hein. Ah oui, c'est ce que je voulais savoir. Voilà. Du coup, Icoma Tsui, bibliothécaire en chef de la forteresse de Shiro, machin truc. J'ai pas mon écran dans les yeux, donc j'ai pas les noms. Hein, désolé, mais je les sens pas. Il y a nos icônes en fait sur la sur le nom de la ville, donc je la vois pas. C'est pas une ville, c'est un fort qu'on est, c'est Tsunashiro, ouais. Je crois, dans le genre. C'est Seizuke, Shiro Seizuke. Oui. Ah, j'ai compris, c'est Tsuna, en fait. je lui dis, Ikoma-sama, j'ai un parchemin que je n'arrive pas à traduire et on m'a vivement recommandé de venir vous voir
afin de vous demander si vous pouviez éventuellement voir ce que vous pouvez faire à ce propos. Il prend le document. Je ne sais pas si c'est pertinent, mais il existe une prière au Kami de l'eau qui permettrait peut-être d'avoir des informations sur ce document, si vous le souhaitez. Nous laissons cet Ikoma travailler, nous regarderons après si ça ne vous dérange pas. Je l'ai dit devant l'Ikoma, ça. Alors, okay. C'est quoi le sort? Du coup, comme je ne le connais pas... Reflet de Panku. Ça fait quoi, la description? Apprentissage de tous les pouvoirs et capacités de l'objet ciblé, Nemuranai, arme maudite, parchemin de sort. Ne permet pas de lire un code secret, mais d'identifier le sort, va guider de l'origine, lieu de forge, clan porteur et tout et tout. Ok. Bon, en fait, du coup, le médecin l'aura fait ce sort, parce que du coup, et il t'aura dit qu'il n'y a rien. Ok. Ouais, il t'a probablement pas dit qu'il avait fait, par contre, le sort, mais bon. Bah, ça se voit, ça. Enfin, moi, je l'aurais vu, en tout cas. Oui. Mais du coup, le Ikoma, Komori-sama, est-ce que ce document vous parle d'une certaine façon? Vous avez de jeunes yeux. Bon, je vais regarder. Enfin, je pense que c'était Komori, Kokoe-sama. Mais... Oui, pardon. J'ai dit quoi? Ikoma. Ah. À ce que je sache, je suis pas encore mariée à un Ikoma. Non. Ça peut arriver, hein, mais... T'inquiète, ça va arriver. Ouais. Je m'attends à tout. Ouais. Komori. Bah, du coup, Kokoe. Je vais consulter. Ben, je t'en prie, fais-moi un petit jet en intelligence. Intelligence pure? Ouais. Je vais mettre un point de vide parce que j'ai envie d'aider Kikyo pour la remercier de ce qu'elle a fait juste avant. Même si c'était totalement déshonorant. Pas déshonorant, c'est une erreur, j'étais persuadé que j'avais dit c'était avant. C'était déshonorant. Pour le coup, non, parce que c'est une erreur, et j'étais persuadé que... Ouais... Je pense pas. Bah, on va pas chipoter pour quelques minutes, hein. C'est pas grave, c'était beau, t'as réglé la situation. T'as pas eu encore ma réaction, hein. Bah on a l'habitude de se faire engueuler par toi, Yoak, et on s'en fiche maintenant. Ouais, t'es un peu la rabat-joie, quoi. Hein. Temps normal, j'ai envie de dire. Ça fait 17 ou c'était oui, un jeu d'avance? Ce n'est pas terrible. Non. Tu vois rien de spécial, tu le mets dans tous les sens. Ça te paraît pas être un code secret d'école de Shugenja? Est-ce que je vois des choses qui pourraient ressembler à des caractères gaijin, peut-être? Est-ce qu'il non. y a quelque chose en transparence? Pour toi, c'est des... Une odeur? Pour toi, c'est des nuages. D'accord. Bah, globalement, quand vous regardez le document, ça ressemble à des nuages, qui sont une espèce de répertoire de nuages. D'accord. Puis-je vous demander d'où vient ce document pour avoir une idée de comment l'étudier? Enfin, si ce n'est pas une question gênante. Elle parle à toi, hein, Tsurushi. Hein. Oui, j'ai entendu, là, j'ai réfléchi sur ce que j'allais dire pour le coup. Là. Je pourrais effectivement vous dire d'où j'ai eu ce document, mais pour votre sécurité et celle de Ikoma-sama, je préférerais vous le dire en privé. Enfin, que sa vie ne soit éventuellement pas en danger. Ouais, techniquement, l'Ikoma, il peut s'éloigner. Hein. Vous êtes dans une pièce où vous êtes tout seul. Hein, donc, dans ouais, les faits, lui... Je pars du principe que lui demander de s'éloigner pour lui dire, c'est un manque de respect, tu vois, quoi. On est quand même chez lui. Lui, il va prendre le document. Une fois que Kokoe a fait son analyse, et il va te demander de patienter si ça te dérange pas. Oui, du coup, je peux en profiter pour discuter avec... Du coup, il s'en va avec le document et il va revenir dans 5 minutes, quoi. Ah, avec un document différent. Si rapide que ça, c'est que... voilà. Il reviendra peut-être avec des choses, mais voilà. Oui, peut-être, ouais. Bah du coup,
Koesama, ce document traîne des rues visiblement de nombreux morts. Il est probablement l'objet de la chute du clan du Lièvre. Ce serait un... Non, ça ne peut pas être un parchemin maudit, sinon il... À côté, Jean-Massamal aurait reconnu avec la prière au Kami. Je ne sais pas. C'est un Kitsu qui a fait la prière. Avant, mais la partie d'avant. Oui. Pour ça, je ne sais pas. La magie, ce n'est pas mon domaine. Coco et Sama. Du coup, avez-vous une idée d'où il vient, ou est-ce que c'est simplement que ceux qui l'ont entre les mains... À ce que j'ai appris, il a été trouvé par une lionne lors d'un contrôle sur des marchands sur une route. Cette lionne a été tuée pour trahison et vol par son clan. Elle aurait été vue... C'est des stars, mais c'est un lion, c'est pas une lionne. Oui, putain, je sais toujours pas pourquoi je suis persuadé que c'est une lionne, en fait, quoi. Ouais, sa cousine, c'est Akino, ça fait fille, en fait. Ça doit être pour ça. C'est un non-fille, en fait. Je vois. Il se trouve qu'une... le lion, visiblement, était approché par une scorpionne pour se procurer le document. S'en est suivi, comment dirais-je... Du coup, je te dis clairement, je vous résume la situation rapidement, Koesama, mais je n'ai pas envie que vous preniez des risques pour... Mais j'ai aussi l'impression que vous prenez également des risques, puisque les porteurs de ce document ont subi des fins relativement macabres. Si j'ai bien compris le fin mot de l'histoire, Koesama, le clan du Lièvre a été détruit pour ce document. Il me semble, quand je vous avais présenté le katana ancestral du clan du Lièvre, vous n'aviez pas mesuré le... Il s'agit du katana ancestral du clan du Lièvre. Je croyais que c'était le katana d'un membre du clan du Lièvre. Ah non, je vous ai dit ancestral. Vous n'aviez pas mesuré la portée de ce que je vous disais, visiblement. Quoi. Après, je ne me suis peut-être pas bien exprimé non plus quant à la situation. Mais il est clair, comme je vous l'avais dit à la capitale, que pour moi, et ce que j'en ai appris, les accusations concernant le descendant de Mao au sein du clan du Lièvre sont fausses et ont été montées de toutes pièces. Je me dis quelque part, peut-être ce document contient-il des informations permettant de prouver le contraire. En tout cas, il est la cause de tout ça. Mais quelle est cette histoire avec un membre du clan du Scorpion qui s'en serait pris au membre du clan du Lion ? Pour se procurer le document. Mais un membre du clan du Lièvre c'est visiblement... mal interprété cette transaction entre le lion et la scorpionne. Il a cru à un chantage et du coup est allé récupérer le parchemin. C'est vrai, c'était vraiment un chantage. Hein. Ouais, mais moi j'ai des doutes. C'est pour ça que je préfère prendre avec des pincettes et je mets des petits guillemets, tu vois quoi. Du coup, ce samouraï du clan du Lièvre est allé récupérer le parchemin auprès de la scorpionne et l'a ramené au sein de son clan. Peu après, le clan a été attaqué par une armée du clan du Scorpion. Et ben, comme vous le savez, rasé. D'ailleurs, j'ai pu apprendre que la scorpionne a été retrouvée morte quelques temps plus tard. Savez-vous le nom de cette scorpionne ? Oui. Sushi Yuka. Ça me dit rien du tout, je suppose. Non, du tout. Enfin, à moins que tu aies lu toutes les rubriques nécrologiques de la capitale ces 20 dernières années, voilà. Non. C'est bon, les rubriques nécrologiques, j'en ai déjà assez vues à la capitale. Celles que j'ai fait moi-même. C'est pas faux. Mais elle n'était pas dedans, à mon avis. Non.
coup, voilà, il me semble qu'il y a une sombre histoire et un complot à l'arrière de tout ça. Et j'aimerais rétablir la justice. Likomar, il a l'air happy ou pas happy? Il a 3 documents dans ses mains. Ah merde. Ils se sont multipliés. Oh zut. Donc il a le tien, plus un papier vide, et plus un autre courrier. Comment dire, on ressemble un peu au tien. Ah, ok. Tsurushi Kikyo-sama, me permettez-vous de faire une copie de votre document? Du coup, je vous pose la question. Pour quelle raison avez-vous trouvé quelque chose d'inquiétant vis-à-vis de ce document? Pas vraiment, mais j'ai trouvé un document qui y ressemble. Et je pense que nous avons au sein de ces des archives quelques documents un peu classés, comment dire, classés dans à comprendre. Et peut-être que cela pourrait nous permettre de comprendre certains documents que nous avons saisis il y a quelques années, où alors j'ai pas forcément tout eu le temps de tout voir, mais a priori j'ai l'impression que le document que vous avez n'est pas, comment dire, un texte, mais plutôt une enfin, j'ai le sentiment que c'est pas vraiment un texte, mais plus une explication. Me permettriez-vous de travailler avec vous sur cette énigme? Si vous le souhaitez, mais je pense que nous embarquons dans un travail de longue haleine, de plusieurs mois. Au moins sur le temps où je serai ici et où votre clan n'aura pas besoin de mes services. Si vous le souhaitez. Je vous remercie. Je n'ai rien contre cela. Du coup, je lui dis oui, vous pouvez faire si vous avez besoin de... Enfin, si vous pensez que ce document peut vous aider à comprendre d'autres documents, je suis tout à fait d'accord, mais j'aimerais en ce cas que vous enfin, si vous trouvez quelque chose dans vos documents, si vous pouviez venir m'en avertir, je vous en serais reconnaissant. J'ai fait une promesse vis-à-vis de ce document et j'aimerais comprendre. Disons que j'aimerais utiliser cette copie pour traduire, peut-être essayer de déchiffrer certains autres documents, mais il est vrai que peut-être que je trouverai plus d'exemples et des choses peut-être plus intéressantes à d'autres endroits qu'ici, et notamment sur les terres de ma famille. Donc, je me permettez-vous aussi d'envoyer une copie à un ami, sans forcément le lier à vous ou quoi que ce soit. Ça vous dérange. Je ne sais pas quel est votre objectif final, mais... Je n'ai pas vraiment d'objectif, mais ce document est... Et pensez-vous que c'est une... Comme nous savons qu'il n'est pas dangereux magiquement, et que nous pouvons tout à fait le copier. Et pensez-vous que diffuser sa copie est une bonne ou une mauvaise chose? Cette question piège. Je pense que s'il est codé et que vous avez d'autres documents codés qui transitent visiblement secrètement un peu partout sur vos terres ou en Rokugan, visiblement cela n'augure visiblement rien de bon, ou au pire... Enfin, ou au mieux, une secte qui œuvre. Vous savez, beaucoup de... Nous avons des lettres qui sont juste des listes de commerçants qui ont développé un langage à eux pour être certains qu'aucun concurrent puisse comprendre leurs ordres de transaction. Et... Il ne faut pas y voir derrière toute
Oui, mais trop de traces de discrétion, une menace dangereuse. D'ailleurs, ce code-là semble quand même extrêmement élaboré par rapport à un simple. Derrière vos documents de marchand, il n'y a pas de nombreux morts. Ça, c'est vrai. Celui-là, ce code, visiblement, des choses bizarres se passent. Et, du coup, je préfère que vous en teniez à être discret avec ce document. Transmettez-le à des personnes de confiance et évitez d'en faire étalage. Oui, je comptais effectivement l'envoyer à des amis de confiance sans forcément. Peut-être les prévenir que de ne pas trop eux-mêmes le diffuser, évidemment, pour ne pas faire trop de publicité à leur recherche, mais comment dire, ça pourrait être plus utile et plus rapide de comprendre le fin mot de ça. Oui, en ce cas, ça me dérange pas, mais je ne voudrais pas retrouver ce document sur la voie publique ou entre de mauvaises mains. Très bien. Il commence à faire la copie du coup, tranquillement. Il fait la conversation si vous voulez, mais. Ce deuxième document, d'où vient-il ? Le fait de savoir d'où vient chaque document pourrait nous permettre d'analyser un peu plus précisément leur utilité. Bah, en fait, il faut que lui-même fasse la liste de tous les documents qui ressemblent de près ou de loin à celui-là. Lui, c'est le premier qu'il a trouvé dans une véhicule. Ah, en gros, il faut qu'il fasse des recherches pour revoir un peu d'où ça vient, mais. A priori, c'est plutôt des documents qui ont été saisis et qui n'ont jamais été compris. Donc, et il peut être très très vieux, en fait, hein, le document en soi. Est-ce qu'il m'autorise à faire une copie du document qu'il a ramené ? Ah, si tu veux. Eh ben, je vais le faire, alors. Ah, ouais. Par contre, c'est plus difficile, en fait, à faire. Le document qu'il a ramené est beaucoup plus... C'est-à-dire tarabiscoté à dupliquer, alors que le vôtre est beaucoup plus limpide. Enfin, le nôtre est plus facile, d'accord. Ouais, il y a une. Ouais. Bah, dans ce cas-là, je vais m'entraîner en recopiant celui de Kikyo et ensuite essayer de recopier l'autre. Il peut y avoir une logique en fait si c'est un code secret. Oui, ouais, mais comme le nôtre est plus simple, ça peut potentiellement être une clé justement pour décrypter les autres, quoi. Bah, du coup, je vais m'entraîner sur le train et ensuite essayer de recopier l'autre. Le simple fait de travailler à le recopier, ça va déjà peut-être me permettre une première analyse. Tu peux. Bah, ouais. Fais-moi un jet de calligraphie, hein, tout simplement. Agilité. Je vais mettre un point de vide encore. C'est intelligence, d'ailleurs, plutôt. De quoi ? Oui. C'est intelligence. Plutôt. Agilité aurait été marrant, mais on va faire sur intelligence. On va être gentil. Voilà, 23, ça doit pas suffire, je suppose. Ouais, disons que ta copie est à l'image de ta marionnette, quoi. Ouais, c'est pas fameux. je suis pas satisfaite, donc je sens tout la bavarder. Et je recommencerai plus tard. Oui, tu pourras retenter, mais... Et ça me prendra du temps. Mais t'as quand même, avec 23, t'as quand même des choses qui peuvent être... utile quand même. Mais, bon. Si c'est un code secret, il faut que je le recopie précisément. Donc je recommencerai, je prendrai le temps de. Très bien, très bien. Bon, après ça, qu'est-ce que vous faites Je remercie le gars, puis donc s'il a d'autres infos, qu'il n'hésite pas à essayer de le contacter, quoi. Moi je reste avec lui puisque j'avais proposé de travailler avec lui. Oui, alors ça va être le soir là, donc vous êtes gentil, mais il va aller dormir quand même le monsieur. Hein, donc, Non, il bosse jusqu'à ce qu'il meurt. ça dépend quelle heure il est. S'il a encore temps, je passerai encore un peu de temps à essayer de recopier. Sinon, j'irai me coucher. Ouais, oui, vous pouvez encore passer une petite heure, mais en gros, lui il va prendre ça, il va aller manger, et puis vous aussi. Donc. Non, dans ce cas-là, on n'aura plus le temps et moi je me couche pas tard hein, parce que sinon. Mais du coup, vous recroisez pas tous les trois avant de vous coucher, quoi. Aussi, il y a moyen. Ne serait-ce que pour manger, quoi. On va manger ensemble. Oui. C'est un quartier militaire, donc il y a même un réfectoire commun ou une cornée d'engin, je pense. Bah, il y a même une pièce pour vous. Enfin, vous
Et non, on peut vous attribuer une petite pièce pour manger, ouais. Ouais, on mange avec tout le monde, oui, pourquoi une petite pièce séparée et tout. Ils bavent pas, ils crachent pas, ils disent au pour votre sécurité, peut-être. Moi, personnellement, je préfère pas manger avec les lions. Hein. Oh, punaise. Je vous rappelle que je suis une grue. Hein. L'accueil, il est pas super gentil, hein, sachant qu'il y a une armée grue en approche. Hein, donc. C'est un peu l'idée. Si le daimyo m'invite à manger avec lui, j'irai, mais sinon, je m'amuse pas à manger dans le réfectoire des soldats, quoi. Faut pas déconner. Bah, écoute. Comment faire une provocation gratuite, quoi. Non, le daimyo, il a autre chose à foutre que manger avec vous. Hein, mais, voilà, donc au moins c'est réglé. Ok, bah du coup, bah, va pour les pièces séparées. Et ben voilà, on s'installe. Je suppose que Kunika est toujours avec sa sensei. Oui. Bah, il reviendra à la partie suivante, par hasard, comme par hasard, mais voilà. En même temps, c'est logique, hein. Tsurushi Kikyo-sama... ouais, ça n'a pas tordé. Ah bah oui. Je sais pas si ce que vous avez fait est du génie ou de l'inconscience, mais toujours est-il que ça a marché. Le résultat est là, n'en parlons plus, je pense. Oui, enfin... Ouais, tu me vois toute rouge, j'ai pas besoin de me cacher derrière mon éventail, là, je suis toute rouge, franchement... Si on était rendu compte, vous étiez morte. C'est-à-dire que c'était pas de mon intention à la base, mais il semble que je me sois un peu embrouillé, mais au final... bon... Ah, parce qu'en plus, ce n'était pas fait exprès. Bien, du coup... En tout cas, c'est fait. Sans doute, le stress... Vous savez très bien que je n'aime pas trop parler en public et ma langue a fourché et je me rends bien compte que j'ai pas été très... forcément très, très clair. Je dis pas malhonnête, hein, je dis très clair dans ce que j'ai dit. Mais bon, voilà. Le fait est que... quelque part, ça nous a arrangé. Je pense qu'il serait préférable de ne plus reparler de tout ça. La situation s'est bien terminée. Évitons de raviver certaines choses. Oui, c'est sûr. J'ai proposé au Daimyo, du moins à Kodo-sama, de rejoindre l'armée grue pour essayer de négocier que ceci n'attaque pas le fort. Pouvez-vous avoir une chance ? Je pense. Avez-vous besoin de... Si vous avez des idées qui sont un peu différentes des miennes, ça pourrait être utile. Sur le moment, comme ça, non, mais peut-être que quelque chose me viendra, sait-on jamais ? En politique, je ne peux qu'à vous aider, mais bon... Je ferai comme il vous plaît, Yoake-sama. Après, si vous préférez rester ici, mais si j'échoue... Les lions vont défendre le fort, mais il est peu de chances qu'ils arrivent à le tenir, sachez-le. Si vous échouez, je crois que j'aime mieux être avec vous. C'est une forteresse militaire quand même, sauf si Tsume-sama utilise des artifices interdits en Empire. Il aura bien du mal à prendre cette forteresse quand même. Dois-je vous rappeler... Vous êtes de Tsume-sama ? Oui. Ah oui, il faut que je vous le rappelle. D'accord. Je pense que nous savons qu'il utilise des artifices particuliers. Oui, c'est ce que je vous disais, quoi. Après, là, nous sommes sur les terres du clan du lion. Est-ce qu'il osera les utiliser ? Je pense que, sachant qu'il n'y a pas de lion, il n'y a pas beaucoup de surveillance. Oui. Sachant qu'il n'y a pas de lion ici, je vois pas... Il y a cependant le personnel nécessaire pour défendre la forteresse. Dans ce cas, la meilleure chose que nous puissions faire, c'est de nous rendre toutes les deux pour essayer de convaincre l'armée grue de rebrousser chemin pendant que Tsurushi-sama sera en route vers les terres du clan de la guêpe ou quelque chose comme ça, enfin, que vous irez un peu plus loin pour qu'on puisse dire que vous avez déjà quitté l'endroit, simplement. Ainsi l'idée est simplement qu'ils se rendent compte à demi-mot qu'il ne pourra pas agir sans témoin. Qu'il y aura forcément un témoin dans la nature. De toute façon, Akodo-sama sait que Tsume-sama
utilisent des moyens pas toujours corrects. Je voulais dire que Tsurushi, si Tsurushi-sama, si Kikyo-sama est parti, n'est ni dans le fort, ni avec nous devant l'armée de la grue, il ne pourra pas utiliser des moyens qui nuiraient à sa réputation, de peur qu'il y ait une fuite. Alors, je suis pas sûr que Tsume-sama ait peur qu'il y ait une fuite. Je suis même convaincu qu'il n'en a rien à faire. Je vois. Mais il ne craint pas de porter préjudice à votre clan avec de telles méthodes ? Vous savez, si dans sa vision, s'il rase le clan du lion, quoi qu'il arrive, ça portera pas préjudice à mon clan. Bien au contraire. En vérité, si. Mais indirectement. Bah, vu l'état dans lequel est l'Empire, vous croyez ? Oui, je crois. Parce que dans ce cas-là, les crabes n'auraient plus comme ennemi que la grue et la licorne. Oui. Ils se privent d'un puissant allié de circonstance. Après, c'est une des cordes que j'ai à mon arc, justement. Eh bien, si j'ai réussi à le comprendre, peut-être que je pourrais vous être utile. Lors de votre passage au sein du clan du... Enfin, de l'armée, tâchez de... éventuellement... tenter de localiser l'endroit où il entrepose ses artifices. Tsurushi Kikyo-sama, comprenez que je ne peux pas faire ça. Parce que même si je les vois, je ne pourrais pas vous les donner, car ça sera synonyme de trahison de mon clan. Cependant, personne ne le sait quand j'en vois un. Cependant, moi je le sais que j'aurais trahi mon clan. Vous n'aurez rien fait ? Oh, si. Si vous voyez les choses, vous faites comme vous le sentez, mais exactement. Moi, je ne peux pas le faire. C'est exactement ce que je... En effet, vous ne pouvez pas agir, moi si. Et je viens avec vous en tant que votre cousine pour essayer de maintenir... Il n'y a rien à redire à cela. Attention, s'il y a des Shugenja à Saina, je vous rappelle qu'ils sont également doués avec les Kami. Faites quand même attention. Il s'agit de techniques particulières de mon clan. Je sais bien, mais... Nous verrons bien. De toute manière, je prendrai toutes les précautions possibles. Mais c'est surtout que s'ils ont de tels artifices, je doute qu'ils les tiennent à la vue de tout le monde. À mon avis, la plupart des membres de l'armée ne sont pas au courant. Oui. De toute façon, si Tsume-sama est présent en personne, nous serons vite fixés sur s'il est possible ou non de négocier avec lui, de le convaincre de quelque chose. S'il est absent, nous pourrons peut-être convaincre celui qui dirige l'armée. Je pense que ça sera ma sensei. Eh bien, de simplement envoyer un message, faire durer, quoi. Je verrai avec elle ce qu'il est possible de faire. Mais parlons de choses plus légères. Alors comme ça, Tsurushi Kikyo-sama, vous deviez nous surveiller. Mais je vous l'avais déjà dit. Et oui, en vérité, c'est la première chose. Tu nous l'as dit. Elle m'a dit oui. En nous retrouvant, mais vous n'étiez pas là à ce moment-là. Ah, je lors de notre soirée en ville, une fois, je vous ai même dit, je vous ai même affirmé, je n'aurais peut-être pas dû à l'époque. La suggestion que j'ai reçue vous concernant, si toutefois j'avais des doutes à votre égard. Je fais un signe de tête. Hein, oui, quand j'étais bourré la fois dernière, vous avez dit si vous plaisiez pas, je quick. Oui, alors, ouais, d'accord. Du coup, vous l'aviez pris par rapport à des éventuellement des mâles, un truc comme ça, mais non. Je n'avais pas compris, surtout qu'on était bourré. Non, c'est sûr. Donc. Non, par contre, c'était on ne peut plus faire conversation qu'on a eue. Hein, tu mentais tellement mal que. Ça faisait comme si tu essayais de le dire à demi-mot. Je te fais un signe de tête. Ce n'est pas le genre de chose qui me plaît particulièrement, mais... Nous avons tous nos devoirs pour nos clans, Tsurushi Kikyo-sama. J'ai moi-même les miens que vous ne connaissez pas forcément. Sachez que au sein de mon clan, il a été décidé au vu de ce que nous avons découvert, que vous n'étiez pas lié à ces affaires. Donc,
Je n'ai plus à vous surveiller. Si je vous accompagne, c'est plus pour tenter de résoudre ce qui vous se passe. Vous avez menti une deuxième fois à Kodo-sama. Eh bien non, il lui a dit qu'il était avec nous pour ça. C'est vrai, il a envoyé le passé. Heureusement qu'il n'y a pas de courtisan digne de ce nom dans les proches d'Akodo-sama. Au début, quand il a râlé, c'est parce que j'avais dit que j'étais là pour accompagner des amis. Voilà, c'était vrai. C'est-à-dire que le lion, quand on le prend pour un con, il n'aime pas beaucoup. Voilà, quoi. Mais bon, quand on lui ment, ça se passe mieux, tu vois. Voilà. C'est-à-dire que quand tu lui mens, c'est plus crédible si tu crois que tu dis la vérité que quand tu sais que tu dis pas la vérité. Bien, en tout cas, essayez de marcher sur des œufs par rapport à Kodo-sama à partir de maintenant. Et continuez à ne pas bien vous souvenir, c'est mieux pour vous. Oui. Bon, oui, ou je sais pas. Jusque-là, on a vu la différence. du moins. La chance et les Camis ne seront peut-être pas toujours de notre côté. J'espère que si. Je leur ferai un petit hôtel tout à l'heure. J'ai peur que le retour de karma finisse par arriver et que ça nous tombe dessus. Nous avons déjà survécu à la capitale. Là, il y a certaines, du moins. Voilà. Retour de karma dans vos gueules. Je suis d'accord, Yoake-sama, mais nous étions dans une fâcheuse situation et là, notre situation s'est beaucoup améliorée. Donc, on va essayer de voir le bon côté des choses. Comment ça, nous étions dans une fâcheuse situation par rapport à Kodo-sama ? Eh bien, la situation était quand même relativement tendue. Même si vous aviez gagné le duel et que vous étiez donc blanchi. Si vous avez gagné le duel, l'avantage c'est que votre belle-sœur aurait peut-être pu rester Ikoma. Maintenant, c'est sûr qu'elle est Ronin. Je crois que c'était son souhait. Certes, mais il y a une différence entre ce que souhaite un samouraï et une punition d'un clan. D'une certaine façon, oui. Surtout que j'avais toutes mes chances de battre Ikoma-sama, puisqu'à l'entraînement, ce n'est passé que d'un cheveu, et c'est plus une erreur d'inattention de ma part sur un duel d'entraînement que j'ai perdu. Bien entendu, Yoake-sama. Ah bah si, c'est vrai, en plus c'est vrai, parce que j'oublie un dé, donc... Non, mais je préfère de loin la tranquillité et la sérénité des duels de tir à l'arc. Tout le monde peut s'en convaincre, hein, voilà. Y'a pas de problème. T'as eu de la boule, c'est tout. Ça reste les dés, hein, donc... Mais je crois qu'en stat, je suis au-dessus d'elle, de toute façon, sur les duels. Bah, de toute façon, avec ta technique, oui. Voilà, okay. Elle est pas très loin, mais voilà. Donc, elle a pas ça, donc du coup, parce qu'avec ça, oui, y a pas photo, hein, elle est au-dessus de toi, hein, mais c'est la même, ouais. Après, oui, ça s'est passé correctement, mais j'aurais préféré que ça se passe de la façon la plus honorable possible pour tout le monde. Je reviens, j'ai un petit souci de réveil nocturne. Ok. Mais ne me prenez pas ça pour un reproche, Tsushiki Kyosaba. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste et en cela, je le respecte. Même si la Kakita en moi a envie de vous corriger par rapport à ce que vous avez fait. Réponds pas, Captain. Si, mais j'ai réfléchi à ce que j'allais dire en fait. Il semble que certains soient nés pour faire des erreurs. N'exagérez pas. Bushiki Kyosama, vous essayez de faire. Mais Akodo-sama n'a pas tort. Faites attention quand vous vous mêlez de politique de clan majeur, en étant un membre de clan mineur. Vous vous mettez pas que vous en danger. Vous mettez tout votre clan en danger. J'ai pris sur moi certaines de vos erreurs pendant la conversation pour éviter que la situation s'envenime, mais parce que ça me coûtait pas, du coup. Ça coûtait rien à mon clan, mais je ne pourrais pas toujours. Je vous remercie d'avoir fait preuve de compassion quand nous étions.
Il n'est jamais simple de perdre quelqu'un de proche. Mais je vais peut-être devoir aller négocier avec la personne qui est responsable de ce pour la protection de l'Empire. Je sais que mon combat est juste et c'est ce qui me permet d'avancer par rapport à cela. Pensez-vous que je puisse vous être utile à... Je ne suis pas sûr que vous arriviez à convaincre Tsume-sama comme vous avez convaincu Akodo-sama. Et lui n'hésitera pas. Les risques seraient largement plus grands. Oui, et lui n'hésitera pas à vous massacrer par principe. Je pense que la meilleure chose à faire pour m'aider Kikyo-sama est peut-être cette fois-ci de garder le silence, sans vouloir vous manquer de respect. Non, mais très bien. Mais sachez que j'apprécie que vous demandiez. Vous êtes quelqu'un de sage, il est toujours bon d'écouter les personnes sages. Les Camille et les Fortunes ne m'ont pas donné raison dernièrement. Voyez-le plutôt sous l'angle où vous êtes toujours vivante, nous le sommes toujours aussi, donc quelque part, pour l'instant, vous avez... vous êtes du bon côté de la barrière. Si je peux me permettre l'expression. De la lame. De la lame, oui. Je suis toujours sur le fil de la lame, dirons-nous. Je suis ni tombé d'un côté ni de l'autre. C'est déjà ça. Bien, mes amis, je pense qu'il est temps que nous allions nous coucher. Nous risquons d'avoir une journée chargée demain. J'espère que nous n'aurons pas à mettre nos promesses en pratique et que votre négociation aboutira. Je ferai mon possible pour que ce soit le cas. Nous n'avons pas le choix de toute façon. L'Empire ne peut pas se permettre de perdre une armée entière du clan de la grue actuellement. Ni une armée du clan du lion. Ni une armée du clan du lion. Et le lion n'a pas le loisir d'envoyer des renforts, donc... Je sais que vous n'appréciez pas la situation... Yokai, mais enfin, Kakita Yokai-sama, mais sachez que si Tsume a effectivement un atout interdit dans sa main, lui retirer cet atout permettrait d'équilibrer les forces et peut-être hésitera-t-il. Peut-être. Ou peut-être que il sera encore plus enragé et décidera d'attaquer quoi qu'il arrive, quitte à envoyer au sacrifice tout un tas de samouraïs. Nous verrons ce que nous trouverons demain. Avec un peu de chance, il ne sera pas là et nous aurons à négocier avec votre sensei, ce qui me paraît beaucoup plus abordable. L'avantage, s'il est là, c'est que nous pouvons négocier plus de choses. L'inconvénient, c'est que vous n'avez, si j'ai bien compris la situation, que l'autorité de votre mère en main pour tenir ces négociations, qui est peu face au Daimyo Tsume. Je pense que c'est plus... Alors que votre proximité avec votre sensei pourrait vous aider à avoir une plus grande liberté dans les négociations. Mais ça ne réglerait pas le problème de la paix dans ces terres. Certes. Et il faudra, quoi qu'il arrive, négocier avec Tsume-sama. Un intermédiaire peut être intéressant, des fois. Je ne croyais pas que vous ayez le niveau pour régler cette affaire de la même façon que vous aviez proposé de le faire avec Ikoma-sama et Kiko-sama. Comme j'ai dit, j'ai un certain nombre de cordes à mon arc concernant Tsume-sama. Très bien. Voulez-vous nous en faire part ou préférez-vous les garder pour ne pas m'immiscer dans les secrets de votre clan? Je compte appuyer sur sa volonté de gloire pour le clan de la grue. Est-ce ce qu'il cherche? Oh, ça va avec sa gloire personnelle également. Oui, mais est-ce que sa gloire personnelle est son seul motif? Je pense que la sécurité des terres ici est aussi importante. Peut-être que si ses talents font la différence au sud, peut-être que le clan de la grue voudra
humains pourraient accepter, si différentes familles sont d'accord, que la famille de Soumet devienne une famille majeure, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'un présent de ma part pourrait être d'une quelconque aide, mais je doute d'avoir un niveau suffisant pour un daimyo. Si ça avait été pour son fils, je vous aurais dit oui, mais je suis pas sûr qu'il en ait que Tsumesama en ait quelque chose à faire d'un présent. Bon, bien. Bon, bien. J'espère juste avoir bien cerné le caractère de Tsumesama. Je l'espère aussi. Il y aura la guerre et je lève les bras, j'aurais fait au moins ce que j'ai pu. Kakita-sama, si cela devait mal se passer devant nous, enfin, nous permettez-vous d'envisager de venir vous secourir ? Non. J'irai avec ma cousine de toute manière. S'il se passe quelque chose et que je... S'il m'arrive quelque chose, Bushi Kikyo-sama, allez prévenir ma mère de ce qui se passe ici. Je ne veux pas la prévenir pour l'instant car je connais sa réaction par rapport à ce que nous avons appris. Et que ça ne réglera pas le problème. Elle viendrait en personne ? Je dis rien, mais... Je te dis juste, vous avez ma parole, Kakito-sama. Mais je vais faire en sorte que ma mère ne perde pas un deuxième enfant à cause de la même personne. J'aimerais que vous me promettiez que vous ne parlerez pas à ma mère, sauf s'il m'arrive quelque chose de ce qui s'est passé. Si vous ne revenez pas, j'irai la voir, sinon je ne dirai rien. Vous également, Komori Kikyo-sama, s'il vous plaît. Je serai auprès de vous, donc vous n'avez aucun souci à vous faire à mon encontre. Oui, mais si nous redescendons dans le clan de la grue et que l'affaire de Tsumesama n'est toujours pas réglée... C'est à vous de gérer les problèmes avec votre clan. Merci, Komori Kukesama. Peut-être, du moins, je vous laisserai en parler, Ishiro Kunikasama. C'est très bon, il est temps d'aller se coucher. Oui. Je vous fais un signe de tête. Très bien, bah je vous raconte. Bah je vais me coucher. Yojimbo qui, du coup, t'accompagne. Bah oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. J'avais oublié la Yojimbo. Qui a dû rester à la porte, je suppose. Oh, c'est une question, ça vous... J'aurais pas parlé. Ouais. Vous la mettez pas dans les confidences de tout ça ? Pas pour l'instant. Dans les confidences, non, quand même pas, là. C'est bah, c'est pas... Moi, j'ai pas mon avis là-dessus, hein. C'est pas ma Yojimbo, donc... Par contre, elle était avec moi devant le daimyo, forcément. Oui, ça oui. Hein. Bon, en fait, c'est même elle qui aurait arbitré le duel, en fait, hein, si le duel avait eu lieu. Bah oui, mais... parce que, oui, bah oui, c'est logique. Ça aurait été marrant. Pourquoi ? Bah, c'est quelqu'un de... Alors, pas impliqué, quoi. Ouais. Puis, ah oui, un clan majeur extérieur au conflit, ouais, c'est vrai. Et relativement honorable, en général. Bah, je vais peut-être, par contre... Avant d'aller me coucher, prendre le temps de lui expliquer la situation. Parce qu'une Yojimbo qui n'est pas du tout au courant de ce qu'elle fout là, ça ne sert pas à grand-chose. Oui. Mais le, ouais, bah, là, Je vais pas lui cacher non plus l'affaire de la Mia et des potentiels moyens pas trop légaux. Mais bon, nous n'avons aucune preuve. Donc, pour le moment, nous ne pouvons pas nous appuyer là-dessus. Voilà. Je mets à chaque fois des guillemets. On est sûr de rien. La Mia a dit que de la laisser gérer pour l'instant. Donc, Oui, et que c'est à la magistrature d'Emeraude de gérer cette affaire et non à nous. C'est ça. L'idée est de la mettre au courant des risques potentiels, mais pas plus. Je propose qu'on reparte le lendemain matin pour chez les grues, non ? De toute façon, il y a des chances qu'on se sépare au final. Il y a sûrement de Tsurushi. Ouais, moi, je vous accompagne juste à peu près à la bord du camp. Après, je fais demi-tour. Ça me permettra juste de confirmer éventuellement l'étendue de l'armée, quoi, tu vois. Alors, fais gaffe, hein, parce que s'il y a des espions d'Aidoji, tu vas te faire arracher. C'est pas une bonne idée en fait d'aller vérifier l'ampleur de l'armée. Je veux dire, ils vont comprendre, hein, ils sont pas complètement débiles. Oui, ils vont voir quelqu'un s'approcher et repartir. Soit t'es sûr de tes capacités de dissimulation,
et d'éviter les pièges d'Aidoji qui auraient pu être posés. Parce que je te rappelle que les pièges qui étaient autour du fort, on a appris que c'était des Daidoji qui les avaient posés. Le clan de la grue est honorable. Oui. La famille Daidoji protège le clan de la grue. Tout à fait. Oui. Si vous voulez, je vous autorise Kokoe et Tsurushi à un jet de connaissance honneur. Hein. D'accord. Parce que l'honneur que représente Yoake est quand même... comment dire, questionnable. Ah bah, au bout d'un moment, on a tous vu les pièges et l'Ikoma a dit que c'était des pièges Aidoji, donc... Bah, j'ai fait 30. Ok. Attends, il faut... j'ai pas utilisé un point de vie, donc du coup, j'ai utilisé juste connaissance, enfin, intelligence tout court, quoi. On sait jamais ce qui peut se passer dans la journée. Bon, 15. Ok. Kokoe, es-tu là, mais... comment on dit, Kokoe? Du coup, dans la ligne de défense de Kakita Yoake, il y a quand même l'idée qu'elle elle peut pas trahir son clan. Mmh. Technique. En le faisant, elle trahit l'empereur. Parce que, techniquement, elle le cache... Elle protège quelque chose qui est interdit elle... voilà. Au niveau de... Mmh. Donc il y a quand même... Une petite ambiguïté à ce niveau-là. Donc, ouais, voilà. Mais je crois que je vais oublier de lui reprocher vu ma propre situation. C'est pour ça que j'ai insisté justement sur le fait que c'était interdit et que voilà quoi. S'il a tout disparu, s'il a tout disparu. Oui, mais, je la comprends, c'est ma cousine. Après, elle n'est pas assez honorable pour que. Enfin, comment dire, elle n'est pas assez honorable pour que ça soit important de respecter l'empereur. C'est assez logique, hein, c'est ton honneur étant, ce qu'il est, que tu favorises ton clan à respecter des vieilles lois impériales, bon. Mais de toute façon, je ne peux pas lui reprocher ça dans ma situation. Il y a aussi le fait que, personnellement, je trouve que ce qu'il fait, c'est déshonorable, mais je ne peux pas non plus me permettre Si, par exemple, si j'étais sûr... que si on découvre le truc, on arrive à le détruire et que ça retombe pas spécialement sur mon clan, il y aurait pas de souci. Le problème, c'est qu'on est que trois et à un moment donné, c'est pas que l'honneur là en fait, c'est aussi, si on meurt tous les trois, il y a aucun intérêt. Ça va juste continuer. Donc, bien sûr, il y a la loi impériale qui dit qu'il faut pas utiliser ça, mais non, mais je veux dire, voilà. C'est moi, justement, en ne leur interdisant pas, du moins, en cherchant pas à protéger à tout prix mon clan, genre, en disant, vous faites ce que vous voulez, vous n'êtes pas de mon clan, je suis pas enquêtrice. Si j'étais magistrat, je pense que oui, ça poserait de gros problèmes. Là, je suis pas enquêtrice. Non, mais tu fais comme tu veux, hein, tu justifies ton comportement. Moi, j'ai pas de problème. Hein. Je suis pas en train de te dire que ce que tu fais est faux. Hein. Voilà, je te dis que potentiellement, pour des yeux étrangers, ça peut paraître sonner un peu étrange. Mais c'est tout ce que je dis. Hein. Moi, ça me fait juste comprendre que nous sommes bien de la même famille, hein, c'est tout. Je serais plus Kakita, par contre, je te dirais que je me sentirais obligé d'aller défier le Daimyo Tsume. Oui, bah oui. Oula. Si j'étais Bushi Kakita, oui. Non, mais vu que t'es dans le vrai, t'inquiète pas, les Kami te protègent. Ouais. Alors, même si les Kami me donnent des bonus, je suis pas sûr pour que ça suffise. Hein. Vous allez vous coucher. Oui. Ok. Je dors. Comment dire, vous allez être réveillé par des bruits un peu surprenants. Bah, ils vont être réveillés, pas moi. Oui, comme d'hab. Justement. Tu as des soldats lions qui viennent te voir, Kakita. Oui. Alors, il y a de la poussière partout, même sur eux. D'accord, oui, en gros, on a entendu un bruit d'explosion, quoi. Voilà. Et ils ont pour ordre d'évacuer tout le monde qui sont dans celle du bâtiment. Mais votre cousine ne veut pas bouger. Alors portez-la parce que quand elle dort, elle est impossible à réveiller. Très bien. Du coup, ils évacuent le bâtiment et vous êtes
envoyée vers le centre de la forteresse. Donc je suis en kimono de nuit sur les épaules. Non, non, t'es dans un, t'es plutôt dans un, comment dire, dans un, une, tu ressembles un petit peu à une, comment on pourrait appeler ça. Elle est dans un drap. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. C'est, on c'est, t'a envoyé dans un drap. J'adore. Mais ma yogi boy, elle a rien fait. Genre, en voyant que je me réveillais pas, elle m'a pas chopé sur l'épaule. Ben, si, elle va s'y mettre, mais du coup, la Yojimbo, elle était prête à défier des lions, en fait, pour te laisser dormir, quoi. quand j'ai dit non, mais portez-la, je pense que voilà. Alors, j'aurais prévenu les lions qui viennent me chercher quand même, que j'évacue, mais je vais prendre mon katana, mais je le scelle complètement. Et je veux pas le laisser qu'il se retrouve, du moins, voilà. Oui, ils peuvent comprendre, mais du coup, il y a pas mal de gens. Alors, quelques samouraïs qui étaient de passage d'ici et là. Il y en a pas grand monde, hein, mais voilà, qui se retrouvent un peu surpris par tous ces événements. Donc, évidemment, il y a beaucoup de bruit. Vous entendez des cris, des hurlements. Vous sentez souvent que le sol tremble. Et au final, vous êtes tous regroupés dans une salle qui est la salle où vous avez eu l'entretien avec le démio hier, quoi. Tout va bien, je suis pas en danger de mort. Moi, j'aurais demandé pendant qu'on me transférait si plutôt que d'être enfermé dans une pièce, s'il y avait moyen que j'aide. En fait, le truc, c'est que ça a tellement pris au dépourvu pas mal de. Et en fait, on vous explique que le fort est tombé. Enfin, la première couronne. Ah oui. Le mur d'enceinte a été percé et que du coup, y a des soldats qui pressent voilà. Du coup, c'est un peu le bordel en termes d'organisation et de bataille. Et du coup, on a regroupé tout le monde dans le bâtiment central qui est le plus, qui a encore une ou deux lignes de défense de protection. Et on prévoit une contre-attaque. Mais du coup. Vous êtes réveillé, vous êtes, comment dire, vous êtes pas encore habillé. Enfin, il y a le processus de réveil qui est en cours, quoi. On va dire. Komori. Ouais. Tu vas commencer à te réveiller, du coup, parce que c'est l'heure. Hein. D'accord. Que, voilà, le jour se lève et tout, voilà. Mais et donc, il y a beaucoup de gens en tenue plutôt de nuit avec une légère couverture pour être décent, voilà. Et qui se retrouvent également. Alors, certains demandent à participer effectivement au. Que se passe-t-il ? Je sors de mon drap complètement perdu. Je pense que. Je vais te dire parce que je vais être à côté. Hein. Tsumesama nous a devancés. Voilà. Je pense que les négociations de paix sont au même endroit que le mur extérieur. Ah, oui, non, là, il n'y a plus de négociation possible. Il va vouloir raser tout le monde, nous comprendre. Peut-être pas nous. Non, il a l'avantage de la surprise, mais tout n'est pas perdu. Ce fort est bien disposé à la défense. Tu peux me faire un petit jet d'art de la guerre perception, via les meurtrières qui entourent la pièce, tu peux peut-être jeter des coups d'œil et voir un peu, essayer de comprendre la situation. Et aussi les conversations. 36. Ok, ça va. Apparemment, l'attaque a été faite à trois endroits sur la muraille extérieure par des commandos discrets. Ils n'ont pas vu l'armée, en fait, l'armée n'était pas en poste quand. Mais par contre, dès que les murs ont été percés, évidemment, l'armée s'est engouffrée. Comme l'espace est vide, beaucoup de lions ont essayé, en fait, de ralentir l'avancée de l'armée et de les empêcher de faire venir du matériel, des armes de siège. Ce qui fait que. Ils essaient de gagner du temps pour la deuxième ligne de protection autour du. Du bastion. Du fort, quoi. Voilà. Le temps qui se réorganise. Bastion, quoi. Voilà, et donc du coup, ils essayent de faire un peu des techniques de guérilla et de sap, et d'empêcher. Par contre, les adversaires, c'est que des Ronin. Pas un ne porte un mon gru. Hein. Mm-hmm.
Bah oui, comme ça, on peut pas accuser le camp de la grue d'avoir participé, quoi. Ras jusqu'au bout, quoi. Est-ce que c'est les Ronin qu'on avait vus ou pas du tout? Est-ce qu'on en reconnaît dans l'eau? Ça a l'air, ça a l'air. Vous êtes un peu trop loin pour en être certain, mais ça a l'air d'être de la même chose, quoi. Si le fort y tombe, un fort lion pris par des Ronin, là, du moins... Coup, je vais essayer de reproduire ce que faisait ma belle-sœur. Ils sont déjà un petit peu marqués par tout ça. Ok. Enfin... Les camis sont pas préparés, ça va être de bien moindre ampleur, mais je peux peut-être au moins en inquiéter certains pour les ralentir. C'est juste ça, les faire éviter en fait. Si je peux, le temps qu'on nous dise d'agir, enfin qu'on nous laisse agir et tout ça, quoi, de là où je suis, si je vois des machines de guerre ou des trucs comme ça, quoi, j'essaie de sniper les. Enfin, les... Bah tu peux demander à participer et du coup on va te t'autoriser à te déployer. Alors il va falloir que tu t'habilles etc, mais oui tu peux. Ah j'ai qu'une, je crois, comme armure, moi j'ai une armure légère seulement, donc ça va quoi. Par contre s'ils ont des flèches, je suis pas contre. Oui, ça peut. Ils ont tu vas apprendre qu'ils ont tenté une percée avec des cavaliers pour aller prévenir, pour aller prévenir d'autres forces lyonnes plus loin, afin de s'assurer que cette armée ne se continue pas ses méfaits. Et du coup, il y a le Demio qui est là. Jima, voilà, Kodo Jima. Dans la pièce. Est-ce que vous pouvez envoyer un message à ma sensei? Je vais essayer. Bah, moi, je me prépare et puis je vais en même temps demander ce que je peux faire. Oui, bah, du coup, je vais envoyer un message à sa sensei en disant le fort de. Je donne le nom du fort, est assiégé par les Ronins qui étaient au service du clan de la grue, et Yoake se trouve à l'intérieur en grand danger de mort. T'as combien de portée? 150 km. Alors, 150 km. Normalement, on n'a pas fait 150 km, si. Non. Peut-être que si, en vrai, hein, je sais pas. Je pense pas, mais... Il y avait 3-4 jours de marche, je crois. Entre Shiro Kyotei et Shiro Seizoku, non, il y a clairement pas 150. Attends, je te dis combien il y a. Il y a 2 jours et demi de marche entre Toshirambo et l'endroit où vous êtes. Non, il y a même moins de 100 km entre Shiro Kyotei et Shiro Seizuke. 150, c'est entre Shiro Kyotei et Toshirambo. Et il y a à peu près 100 km entre Seizuke, Shiro et Toshirambo. Bref. Bah, du coup, on voit ça. Voilà. Et qui est-ce que je connais à portée? Personne, hein, je crois. Oh, si, sans doute ma belle-sœur, mais je vais pas le faire. Et évidemment, Meiyoko. Oui, mais bon. Elle aura pas beaucoup de pouvoir là où elle est, de toute façon. Moi, j'allais voir le Daimyo, hein, de toute façon. Ouais. Il va quand même donner des ordres à tout le monde. Du coup, Komori, Kokoe, tu as l'ordre d'aider les blessés. D'accord. Puisque c'est ce que tu avais dit. Hein. Oui. Mais c'est mort, hein, voilà. C'est Daimyo-sama, ces Ronins étaient tenus en respect par Ikoma. J'ai perdu son nom, moi. Seijiko. Non, c'était pas Ikoma Seijiko, c'était justement. C'est elle qui faisait de la magie. Ah bon? Oui. Bah oui. Ah bah, je me plante, d'accord. Par Ikoma Seijiko-sama. Au fort qui n'est plus Ikoma, hein, mais... oui par Seijiko-sama au fort par des illusions. Voulez-vous que j'essaye? Ça leur rappellera peut-être des souvenirs. Si vous voulez, mais je sais pas si ce sera très efficace. Essayez. Enfin, comment dire, tu vas vite te rendre compte que la surface à animer est pas la même, hein. oui c'est sûr.
Du coup, ouais, c'est... Oui, mais en fait, je voudrais m'en servir de façon beaucoup plus ciblée. Par exemple, des voix inquiétantes derrière quelqu'un qui est en train de foncer sur un lion pour forcer l'entrée, ce genre de choses, beaucoup plus ciblées. Bah, en fait, je me mets à un poste d'observation, en fait, et j'essaie de cibler beaucoup plus. En fait, le truc, c'est que là, c'est plutôt un statu quo. C'est-à-dire que les Ronins sont rentrés, ils ont percé les premières murailles, ils se sont retrouvés avec des pierres partout, et des pierres qui les bloquent, et donc ils sont en train un petit peu d'essayer de creuser des chemins, trouver des moyens, parce qu'en fait, apparemment, pour transporter leurs armes, ils ont besoin de quand même une certaine largeur de route, quoi. D'accord. Certaine, voilà. Et donc, alors ils se mettent en protection, ils ont des archers qui essayent de protéger ceux qui creusent, etc., ceux qui déblaient la route. Mais ça permet au lion de se réorganiser. Donc, oui, donc du coup, vaut mieux que j'aide aux blessés. Dans ce cas-là, j'aurais pas proposé ça si c'est la situation. Et du coup, la situation, elle en est là. Donc, effectivement. Aider aux blessés est plus utile. Il y a des lions qui essayent de peut-être. Qui ont envie de lancer une petite percée pour aller tuer les quelques ronines qui sont sur telle route ou tel axe, etc., dans la forteresse, histoire de leur faire perdre du temps, et éventuellement d'en tuer quelques-uns au passage. Éventuellement, là, tu pourrais être utilisé, mais c'est une action très offensive quand même. Hein. Donc, je sais pas si tu es... Il n'y a aucun moyen offensif. Non, mais... Bah, parce que ta diversion pourrait aider l'attaque, fait. Oui, c'est ça que je veux dire. Oui, j'accepte de faire ça. Après, pour le coup, là, il n'y a que des ronins, donc il n'y a pas de piège des dogis, tu vois, quoi. Oui. Si on utilise tes sortes de discrétion, on peut facilement rentrer chez eux, parce qu'apparemment, ce qu'ils transportent, qui fait sauter les murs, ça a l'air de prendre de la place. Ça se cache pas dans un sac à dos, donc on peut peut-être trouver le lieu où ils planquent leur bordel, puis tout faire sauter, tu vois, quoi. Sinon, en tant que Gunja de l'air, je peux également essayer de me cacher pour tenter une sortie. En emmenant quelques-uns de vos samouraïs pour qu'ils préviennent des renforts. Nous pouvons aussi, en utilisant ces pouvoirs, tenter de localiser ces armes et les anéantir. Je ne saurais pas faire ça. Enfin, je pourrais, si vous les localisez, vous aider à arriver discrètement jusque là-bas. Oui, c'est ce que j'ai dit, plus ou moins. Je me suis mal pris, mais c'est tout. D'accord. Akodo-sama, est-ce que vous avez essayé de demander une... Comment on dit ? Des pourparlers ? À des ronins ? Vous savez, j'ai horreur des ronins. Et ils nous ont attaqué au réveil comme des lâches, et par des techniques lâches, très à eux. Et nous n'avons pas eu le temps d'entamer le moindre pourparler, et je ne compte pas agiter un drapeau blanc. Cela dit, vous m'aviez parlé hier de vouloir faire une mission diplomatique. Je suis tenté de vous l'accorder, à la condition... Évidemment, pour ne pas que vous, essayiez de, rentrer chez vous, entre guillemets, je vais me permettre d'exiger ce que votre sabre reste dans la forteresse. Akodo-sama, je vais accepter ne pas relever ce que vous dites par rapport à ce que je pourrais faire. Je pense vous avoir montré que je n'étais pas... le type de personne à faire cela. Mais je n'ai pas de doute sur votre honneur à vous, mais ceux d'en face, oui. Et ils pourraient vous forcer à ne pas revenir. C'est ce que je veux dire. Afin Si ils me mettent une contrainte physique, de toute façon, que mon sabre soit ici ou avec moi, ça ne change rien. Oui, mais je sais que vous trouverez un moyen, vous essayerez au moins de vous libérer et de revenir. Peut-être demain, peut-être dans 10 jours, peut-être dans un an, peut-être dans 10 ans, mais nous aurons l'occasion de nous revoir. Sachez que je ferai tout, quoi qu'il arrive, pour revenir, que mon sabre soit là ou non. J'en crois à votre honneur, mais excusez-moi d'être prudent.
Voulez-vous que je fasse sortir des samouraïs du clan du lion pour qu'ils aillent prévenir des renforts en même temps que Yoake? De toute manière, elle ne va pas discuter avec les Ronin, il va falloir gagner l'armée du clan d'Agru. Les cavaliers sont déjà partis. Très bien. Ils ont réussi à franchir les lignes. On va discuter avec les Ronin en soi. Ils vont essayer. Nakodo-sama, par contre, ça veut dire que vous m'enlevez la possibilité de régler ça par un duel. Oh. Si un duel est possible, je préfère le relever moi. Très bien, je prends note de cela, dans ce cas-là. Je préfère aussi, je fais des duels plus par art du duel que par solution diplomatique, mais puisque vous me proposez cela, sachez que si vous voulez utiliser ma lame, vous pourrez. Non, je m'incline. Enfin, il va rien répondre, mais clairement, c'est pas son idée. Hein. De toute façon, moi, c'est pour lui montrer que. Utiliser ses moyens d'un autre, c'est pas déshonorant, ça d'ailleurs? Non, pas si je donne l'autorisation. Ah, bah, okay. Pour moi, un peu quand même, mais ça c'est pas trop surtout quoi. Surtout si c'est d'un autre clan. Après, t'es pas Bushi, donc c'est pas ton âme, techniquement, ton katana, c'est. En fait, les armes cérémonielles, les objets cérémoniels, t'as le droit de les porter si la personne à qui elles appartiennent te l'autorise. Après, je comprends qu'un Bushi préfère se battre avec son katana plutôt qu'avec le katana d'un autre. La différence, c'est que, comme tu dis, moi, c'est pas mon âme. Je suis pas Bushi, donc. Oui. Lui proposer de l'utiliser, c'est pas. Que toi, tu trouves ça éventuellement possible parce que tu supportes un peu son action ou quoi que ce soit, il peut comprendre, mais. Clairement, lui, il le fera pas, et si ça aurait. Si ça c'était venu d'un Bushi, il aurait. Trouvé ça très bizarre. Il a trouvé ça bizarre au premier abord, et puis il s'est rappelé que je suis une artiste, pas une guerrière. C'est ça. Bien. Ben, je vous fais confiance pour prendre soin de mon arme, Akodo-sama. Faites prévenir les Ronin que je vais y aller. Komori Kokoe, est-ce que vous pouvez le faire? Prévenir les Ronin ? Oui, je le peux. Bah, allez-y. Bah, du coup, je vais prévenir le chef Ronin avec lequel j'avais un petit peu discuté. Il m'avait présenté ma Yojimbo. Oui. Je vais quand même dire Akodo-sama, mis à part le duel. Et je vais décompter des sorts quand même. Qu'est-ce que vous m'autorisez à négocier ? Idéalement, pour être tout à fait honnête, j'ai besoin de temps. Pour pouvoir faire mes défenses et réorganiser, évacuer les blessés et voilà. Ensuite, ça sera un peu, on va dire, au Camille de décider. Je vais essayer déjà de. Je garde le duel, mais si je peux gagner du temps, notamment en négociant un cessez-le-feu le temps que des blessés soient évacués. Par rapport à la compassion et la courtoisie, après je ne suis pas sûr que le chef Ronin entende cela. Mais après, potentiellement, si vous avez besoin d'un bras de levier, nous avons quelques prisonniers qui peuvent être rendus, mais je doute que leur sort importe guère le général Ronin. Je veux bien leur nom, ça reste quelque chose. De oui. Plus. Alors, c'est que des prisonniers Ronin. Hein. Oui, mais justement, qui me donnent leur prénom. Oui. Bah, t'as une liste qui est faite. Bah, je lui fais un signe de tête. Et puis, je vais me préparer. Donc, j'époussette mon kimono un petit peu. Yoake-sama, est-ce que vous préférez que je vienne avec vous ou que je reste ici? Comme vous le souhaitez. J'ignore où je serai le plus utile. De négociation avec des Ronins, ce n'est pas. Le plus aisé. L'avantage, c'est que si vous êtes avec moi et qu'il se comporte de façon honorable, vous pourrez au moins prévenir Akodo-sama. En effet. Très bien. Tu veux me faire un test de volonté, Yagita, s'il te plaît? Tu utilises un point de vie étonnamment. Merde, t'es pas slashé. Point d'exclamation. Ouais, point d'exclamation 3D10, c'est ça. Non, 3G. 3G3 ou oui, 3G3, chose comme ça. Je crois que j'ai que 2 en volonté pour l'instant. Oui, j'ai pas pu le monter encore, donc oui. Ah, 24. Comment dire?
Non, c'est pas la bonne souris. Du coup, tu t'apprêtes à faire ça, donc tu commences à descendre, on te fait aller vers une sortie potentielle, accompagné par Komori, Kokoe, Sama, et Yojimbo, et d'éventuellement d'autres gardes. Et en fait, t'as beaucoup de lions qui, au plus tu commences à t'approcher de la sortie, au plus les lions sont chargés de poussière, chargés de sang, et ils sont en train de se battre, ils sont concentrés au combat et tout, et à agir, voilà. Et toi, tu te trimbales en kimono de cours au milieu de tout ça, ton cœur tendre commence à te dire que... Ah oui, non, mais c'est... Tu sens un petit peu mal à l'aise, quoi, mais voilà, t'arrives à passer sans... sans faire de scandale sans t'évanouir sans quoi que ce soit, quoi, hein. T'inquiète pas, c'est juste ça. Détourner l'attention par un chant, est-ce que ça serait possible? Ouais, tu vas le faire en force, ton chant, hein, parce que c'est pas logique, hein, quand même. Ah, ça dépend des fois, tu sais, au milieu de la bataille, bon, non, ouais. Et du coup, on t'arrive à un endroit, une sortie, et donc on te dit, bon voilà, si tu veux sortir du fort, faut aller par là, sur 200 mètres, et puis à la troisième à gauche, tourner, et par contre, après le, il va y avoir des run-in partout, quoi. Hein, voilà. Oui, bah oui. Ah. Heureusement que j'ai les cheveux blancs, on va dire. Bon. Du coup, tu vas toute seule ou Komori vient avec toi ou comment ça se passe? J'ai dit que je venais avec elle. Donc, Komori, Koko, ouais. Sama, maintenant qu'on est éloigné, je te chuchote quand même. En cas de problème, je préviens, oui, je sais. Si Tsume-sama a prévu un assassin... Nous sommes dans une fâcheuse situation. Nous irons voir Enma toutes les deux en même temps. Pense aux explosifs. Bien... Alors la question, est-ce que vous demandez à envoyer un mot à Tsurushi? Ou éventuellement à Ichiro. Il est probablement quelque part dans la forteresse. Ah oui, j'aurais fait prévenir Tsurushi. Moi, j'aurais fait prévenir Tsurushi si elle n'était pas avec nous dans la salle qu'on y allait. C'est... Mais du coup, est-ce que... Je crois qu'il était là, en fait. Donc, oui. Mais non, elle a dit qu'elle allait aider, donc effectivement. Ouais. La question, c'est est-ce que vous demandez à ce que... Est-ce que Tsurushi vous escorte du regard, entre guillemets, en termes de dark, ou pas du tout? Ou est-ce que... C'est quoi l'idée si on doit fuir, ouais. Disons que quand vous la prévenez, c'est quoi ce que vous lui dites? On y va, bonne chance. Un arc, ça serait pas mal. C'est ça. Si jamais il y a des Ronin qui nous attaquent, des flèches qui percent les Ronin, ça peut être pas mal. Flèches qui percent les Ronin, s'ils sont en armure. Oui, bah, les flèches ne font pas de différence. Tu prends des perce-armure et puis voilà. Bon, l'avantage, c'est que. T'as pas trop de problèmes pour t'approvisionner en flèches dans la forteresse, hein? Oui. Parce que pour le coup, la forteresse, ils ont pas grand monde. Mais alors des équipements, ils en ont alors partout, hein. Bah du coup, en haut des murailles, tu m'autorises à utiliser les grands arcs là où tu considères que c'est vraiment juste sur poney que je peux les utiliser sans. Tu veux dire un daiku? Ouais, les grands arcs, parce que du coup, le Yumi, c'est le standard, je crois. Il y en a un qui est plus grand, je crois, mais t'as un malus quand tu l'utilises au sol, je crois. Et Archer Tsurushi sans arc long Tsurushi, toi? Bah, je sais pas, je sais pas que ça existait. Non, t'as un arc long donc grand, toi, puis c'est tout. Et oui. Oui, mais c'est un Yumi, je crois, non? Bah non. Bah non, l'arc long Tsurushi, il est trois fois plus puissant que le Yumi. Bah bon, bah je sais pas, moi, je... Il donne pas les stats, en fait, dans le bouquin, donc je sais pas si c'est un arc... Bonjour, je voudrais le clan d'archer, mais sans les bonus, s'il vous plaît. Mais sans le bonus d'armes, non. Attends, je vais regarder. Je ne savais pas que j'avais vu un truc. Non, mais si, bien sûr que si. Attends, je vais te trouver ça, mais... Si t'as pas d'arc long de Tsurushi en étant de Tsurushi, c'est quand même problématique. Je sais pas. Elles sont... En 7 compétences objets. Arcon Tsurushi, c'est force 5, portée 150 mètres.
Ah ouais, quand même. 1G0 à l'attaque et au dé... 1G0 à l'attaque et au dégâts à une portée inférieure. Tu l'as vu où ce truc là? C'est dans Little Trust qu'il est, par contre, sur Ushi. Ah ouais, mais ça, je l'ai pas vu. Force 5, elle peut pas le manier à son plein potentiel, du coup, je suppose. Par contre, elle pourra pas le manier à son... Ouais. Et à 75 mètres, ah oui. T'as un G0 de plus à l'attaque avec un arc. Tu peux mettre ça dans le rôle ici, la fin, ou comme ça, un résumé, comme ça, je recopie sur ma feuille, quoi. Oui, mais tu es forcément réduite par tes stats, il faudra que tu montes. Oui, oui, pour la force, oui, pour la force, je suis limité à ma force. Je le mets sur Foundry, ça sera plus simple. J'espère que t'as mis 3 au moins. Je l'ai mis sur Discord. Ok. C'est quoi le 23? 23, c'est la page, on s'en fout. Réduction, on s'en fout. Toc, 5 forces. Ouais, donc oui, tu. Ouais, on t'aura dit quand même de nous regarder et puis on sait jamais quoi si. Ouais, bah du coup, je vous couvre d'en haut alors quoi. Ouais. Bah, tu seras plus efficace qu'au corps à corps. Alors, moi je suis pas en confiance, hein. On est toutes seules dans la rue. Bon, on a deux Yojimbo, il y a une armée en face. Ça me ferait chier qu'elle meure, la mienne. Oui. Du coup, elle vient avec toi, du coup, t'as Yojimbo. Bah ouais, enfin, je lui aurais demandé si elle est prête à prendre ce risque, mais bon, c'est une question rhétorique plutôt qu'autre chose, parce que je pense qu'elle va dire oui. Hein. Oui, bah oui. Elle nous dit que c'est une grosse connerie ou pas? Oui, plus ou moins, ouais. Oui, mais bon. Sinon, je peux demander au chef des Ronins de se rendre à un endroit où on pourra vraiment discuter vis-à-vis tout en étant en sécurité. Il semble quand même vachement plus sûr. Techniquement, il devrait pas nous attaquer, du moins. Oui, oui, techniquement. Je suis du clan de la grue. Non, mais c'est après, des Ronins. Si vous voulez être plus sûr, utilisez des illusions pour vous camoufler, comme Rikoko et Sama. Non, mais je vais surtout lui donner rendez-vous au niveau d'une muraille pour discuter. Bien. De façon à ce qu'on soit à égalité. Du coup, je vais faire ça. Puis on verra s'il vient, parce que ça se trouve, il ne va pas venir. Dans ce cas-là, c'est qu'il ne veut pas discuter. Ou dans ce cas-là, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi il reçoit un message dans sa tête. Oui, enfin... J'aurais sans doute donné mon nom. Ok. Vas-y, refais-la moi. Du coup, t'as un message à qui? Au chef des Ronins, que je connais déjà, puisqu'il m'a même remis ma Yojimbo. Et okay. Je lui demande, du coup, de se rendre pour négocier devant une muraille, pour négocier avec, d'ailleurs, Yoake Sama, j'aurais donné le nom, au niveau d'une muraille entre les deux camps, en fait. Ok. Bah ouais, le message est parti. Ouais, bah peut-être qu'il viendra pas, hein. Dans ce cas-là, ça nous évite de prendre le risque. Et effectivement, personne ne vient au rendez-vous. Ok. Mm-hmm. Non mais de toute façon, je crois qu'il est pas étouffé par son honneur, hein, cet homme, Yoake Sama. Je sais, mais j'ai donné ma parole à Kodo Sama, donc j'irai, quoi qu'il arrive. Dans le camp, vraiment? Bah, je sais. Il ne vient pas pour des négociations? Et il peut penser que c'est une ruse. Non, il me connaît un petit peu, au moins. Et ces hommes ont déjà dû lui rapporter que nous l'attendions ici. On a croisé des Ronin ou pas? Oui, on ne sait pas où c'était. Là, il nous voit. Oui, oui. Ok. Et ils nous ont dit quoi, les Ronin? Disons que la Yojimbo a dû les calmer un petit peu au début. Elle s'est interposée avant qu'il frappe sans regarder, sans réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez faire, quoi? Négocier avec votre chef. Je dois voir votre chef en tant que membre du clan de la grue. Ok. Je suis Kakita Yoake, tout simplement. C'est moi qui ai prévenu votre chef qui pouvait prendre la tour dans la vallée. Dans la vallée Kitani. Kitani. Je suis pas sûr, mais bon. Ils vont vous accompagner. Après, si tu veux faire demi-tour, hein, cousine, fais demi-tour. Hein, mais moi j'irai, hein, ça c'est sûr. Non, bon, bah on va y aller. Hein. Le
Le courage est une vertu du Bushido. Ouais, la connerie aussi. Ah, ça, c'est juste qu'ils appellent ça courage. Oui, oui. On verra bien en arrivant, écoute. Alors, bah vous arrivez. Alors, vous allez marcher un petit peu parce qu'en fait, la tente, visiblement, du chef, elle est pas à proximité du fort, enfin de la forteresse. Ils se sont mis un petit peu à l'abri, quoi, on va dire. Ouais, d'accord. Il y en a un, le courage, par contre, c'est pas une vertu du Bushido, ou alors il la suit pas, lui. Si, si, c'est une vertu du Bushido. Il la suit pas trop. Bah. Ok, donc, je disais, nanana. Je et donc, surveille autour de moi, quand même. J'ai un peu peur d'un assassin, moi. On vous fait patienter. Et au bout de quelques temps, vous avez rencontré le chef. Alors, c'est plus bas dans mes notes. Plus haut, pour le coup. Merde, putain. Ah, j'avais le nom du chef. Arrivé. Ah, voilà. Vous allez rencontrer Goichi, le chef de l'armée. C'était déjà lui, non, c'était le commandant du fort, du moins qui était autour du fort, c'était pas lui. Non. Okay. Non, il était pas dans le campement. Ok. Pourquoi il s'appelle comme mon frère? C'est peut-être ton frère en fait. Non, c'est pas ton frère. Non, je me doute. C'est pas possible que ce soit mon frère. C'est pas le prénom de ton frère, ça. Donc si, je l'ai pas appelé comme ça. Non, c'est ton ancien Yojimbo, normalement. Ah, et c'est lui toujours? Oui. Ah. Ça veut dire que l'ancien Yojimbo est devenu commandant de l'armée. Ok, d'accord. L'ancien Yojimbo temporaire, hein, celui qui a resté 2 semaines, quoi. Ouais, ouais. Et d'accord, le tout moche. Oui. Mais oui, lui-même. Bah, il tourne vite Kazakh celui-là. Hein. Après, c'est un renard, quoi, c'est son métier. Ce que j'adore, c'est que Kunika m'avait dit qu'il semblait avoir envie d'un emploi plus honorable. Ouais. Mais je ne fais pas la remarque. Mais c'est plus honorable ce qu'il fait là. Oui, il est général d'armes. Bon, bah, après, oui. Il utilise des moyens. Oui, si, ça va. Quelle bonne surprise. C'est un plaisir de vous revoir. Je vois que vous avez pris du galon. En effet, et je dois vous en remercier parce que c'est grâce à vous. Eh bien, du coup, tout est parfait. Comment se passe la vie dans le fort? Pas trop de bruit ce matin? Vous avez presque réussi à me réveiller, mais pas tout à fait. Après avoir vécu les événements de la capitale, vous savez, le bruit le matin, on s'y habitue. Oui, Koko et Sama, j'ai bien compris que quoi qu'on vous fasse pendant toute la nuit, rien ne vous réveille. En effet. J'ai le sommeil lourd. Tout à fait. Est-ce que c'est Tsume Sama qui vous envoie Koshi-sama? Pas du tout. Eh bien, qui vous envoie dans ce cas? Disons que ma propre volonté. Oh. Disons que j'avais envie de... Il est vrai que Tsume Retsusama aimerait dégager son horizon. Mais il se trouve qu'il est appelé à d'autres affaires. Et vous lui rendez un service de votre propre chef, c'est ça? C'est ça. Grâce à l'argent qu'il m'a donné. Je vois. Puis-je savoir combien il vous a donné? Bon, assez pour financer une armée de Ronin. Mais faut dire aussi que les informations que je lui ai données étaient particulièrement intéressantes. Pensez-vous réussir à prendre le fort? Oh oui. Il n'y a que quelques chatons à l'intérieur, ça devrait être facile. Avez-vous pensé à lancer des pourparlers avec le commandant Lyon à l'intérieur? Ou à faire?
pour éviter. Pour ne pas blesser vos Ronin si chèrement acquis avec des chatons. Au moins j'ai de Ronin, au moins je les paye. Ah, vous les payez après? Oui, forcément. Oui, ça se comprend. Je suppose que récupérer des prisonniers Ronin ne vous intéresse pas non plus. Ah ben non. Ça serait... comment dire? Ça serait récupérer des bouches à nourrir. Et puis des... On n'aime pas beaucoup les perdants par ici. Qu'avez-vous comme ordre concernant les samouraïs non-lions? Rien du tout. Je n'ai même pas d'ordre, en fait. Hein. Je vous le rappelle, je le fais de mon propre chef. Que comptez-vous faire des samouraïs de clans majeurs et mineurs, d'autres que du moins, qui ne sont pas lions dans ce cas-là? S'ils s'opposent à nous... ils seront combattus s'ils sont pacifistes et qu'ils décident de partir, il n'y a pas de problème. C'est même pour ça que on vous a laissé tranquille et venir jusqu'à moi, je pense. Il y a des choses. Je suppose. Personnellement, je vous dois tellement que je ne pourrais pas vous faire de mal. C'est bien aimable à vous. Accepteriez-vous de régler le problème par un duel contre le commandant contre le daimyo du fort? C'est tentant. Vous y gagneriez de la gloire. Et la gloire pour un dronin, ça veut souvent dire une meilleure paye. Oui, mais ça veut dire aussi des points de suture. Hein. J'ai pas vraiment envie ça. Si vous avez confiance en vos capacités, vous pouvez le tuer en un. Et si vous êtes blessé mais victorieux, je m'engage à vous soigner. Et il n'y a pas que ça. Je pense que vous pouvez avoir une place dans un clan si vous battez un commandant lion, ça c'est sûr. Ah ben... Oui, ça, il est évident que Goichi le Ronin vit ses dernières heures. Oui. On en est d'accord, et bientôt je serai votre cousin, Akita Yurake-sama. Oh, Sumesama vous a promis quelqu'un en échange. Oh, je pense que c'est tout à fait envisageable, oui. Attention qu'il n'ait pas proposé, toi. Ouais, il aurait pas pu. Moi, il peut pas, en fait. Moi, ça serait une insulte à la famille Kakita et en tant que famille vassale de la famille. Ouais, mais il a peut-être des moyens de te demander à ce que ça se passe. Oui, mais. Ouais. Il a les moyens de faire chanter le daimyo du clan. Apparemment. Donc, à mon avis, c'est l'ancien daimyo du clan. Le nouveau, pas sûr. Pourquoi tu n'as pas envie d'épouser mon ex-Yojimbo? Il est tellement. Mais toi, t'as pas envie d'épouser ton ex-Yojimbo? Parce que c'est ce qu'il vient de dire. Bah, moi? Ah oui, il a dit. Bah, moi, je suis déjà marié. Ah oui, il a dit mon futur cousin. Il a pas dit mon futur frère. Ouais, cousin de clan, j'entends. Hein, mais... Ah, cousin de clan, oui. Ok, d'accord, oui, parce que... C'est ce que j'avais compris aussi, hein. Okay, parce non, que moi, je suis pas mariable, cousin. Pour le coup, vu que je suis déjà mariée. Ouais, alors ça, tu sais... Ouais. Il va falloir qu'il l'attrape, déjà. Hein. Tu violes pas 800 lois impériales pour te choper un nom de clan mineur, quand même. Hein. C'est clair. C'est vrai, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Je suis cher à veuvifier quand même. Hein. Et si vous n'arrivez pas à prendre le fort, du moins, savez-vous ce que vous avez? Beaucoup d'argent. Probablement des assassins derrière mon dos, mais beaucoup d'argent. Une consolation en soi. Et ce duel, vous avez fait un pari risqué, quoi qu'il arrive. Sauf qu'avec le duel, vous aurez une certaine légitimité dans votre action qui ne pourra même pas être niée par le clan. Et donc, moins d'assassins derrière le dos. Pas d'assassins derrière. Oui, oui, mais bon, comment dire. Dans tout ça, c'est un peu compliqué. Moi, je préfère... J'ai une stratégie, je vais m'y tenir. Le fort tiendra... Allez, ce soir il est pris, je pense. Donc il n'y aura pas de problème. Et si ce soir il n'est pas pris, Uchisama? Vous pensez plus ambitieux? Je vais essayer de le tenter. Bah,
Je ne suis pas très doué en art de la guerre, mais vos troupes ont mis un certain temps à prendre une tour. Oui, ça c'est évident, mais nous avions la... Comment dire ? Nous n'avons pas lancé d'assaut d'autres intensités sur la tour parce que nous savions qu'il y avait une armée lyonne à quelques jours de là, mais l'armée lyonne maintenant est à des semaines de là, donc... Nous sommes tranquilles. Je souris. Un nom dans un clan de majeurs a beaucoup plus de valeur s'il est porté par un samouraï du clan de la grue qui a vaincu un samouraï du clan du lion, sachant que ces deux clans sont ennemis, surtout en duel. Oui, mais je vais battre le clan du lion sur son propre terrain. La stratégie, voyez. De loin. Je ne sais pas si c'est aussi fort. Enfin, vous savez, hein, il a aucune chance face au début au lion. Hein. Enfin, bah oui. Lui aussi, il le sait. Hein, surtout s'il veut se vanter d'avoir utilisé des armes interdites dans l'Empire, ça va lui faire drôle. Voilà. Et évidemment, enfin, comment dire. Ah oui, Kekita Yoake, Sama, souhaitez-vous une tasse de thé ? Komori Kokoe, vous êtes, Sama, vous êtes bien entendu invité également. Votre ma remplaçante également. Avec m'exprimer ainsi. On ne peut pas dire que le remplacement vous ait beaucoup gêné finalement. Il est vrai. Laissez-moi préparer le thé dans ce cas-là. Si ça ne vous dérange pas, bien sûr. Non, allez-y. Et donc, qu'allez-vous faire avec après tout ça ? Eh bien, je ne sais trop rien. Je vous cache pas que, bon, si ça se passe pas trop mal, il y a d'autres places Lyon qui risquent de rencontrer une petite visite, hein. De toute manière, nous n'avons pas à nous occuper des histoires du clan du lion. Daimyo nous l'a clairement fait savoir. Certes, mais comment dire ? Yoake-sama est habilité à négocier entre le clan de la grue et le clan du lion. Mais vous n'êtes pas le clan de la grue pour le moment. Peut-être profiter... moi je vous conseillerais d'aller profiter d'un autre... voisinage, histoire d'éviter les bruits et la poussière. Mais nous sommes préférables, en effet. Vous êtes toujours de bons conseils, n'est-ce pas? Tu fais quelque chose de particulier avec le thé ou Non, je c'est juste que je veux pas qu'il fasse quelque chose de particulier avec le thé. C'est surtout ça, en fait. Vous devriez faire attention, Koichi-sama. Il est bien d'avoir des ambitions, mais parfois les ambitions nous arrêtent. La perte d'un fort majeur du clan du lion risque de rameuter un certain nombre de troupes plus vite que ce que vous pensez. Et si Matsu... comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle, la championne du clan du lion ? Matsutsuko-sama, avant de ce qui est en train de se passer, j'ai peur que ça soit assez compliqué pour vous. Je vous rappelle qu'elle a réussi à prendre d'assaut la capitale et à pénétrer des forteresses bien plus puissantes que toute forteresse existant ici. Certes. Disons que si la forteresse était prise avec moins de bruit... Il y aurait plus de choses, il serait plus facile de calmer les ardeurs des lions. Je pense que l'histoire ne retiendra pas les événements qui se passent aujourd'hui ici. Ils se focaliseront sur d'autres événements qui vont se passer bientôt et qui vont faire beaucoup plus de bruit que ça. Peut-être. Souhaitez-vous avoir un avant-goût de ces histoires ? Je peux... Comment dire ? Il m'est arrivé de développer un certain talent de divination.
Qu'avez-vous appris ? Eh bien, je peux vous apprendre que d'ici quelques semaines, Shiro Muromoto va tomber. Shiro Muromoto ? Pourquoi donc ? Parce que Tsume Retsusama est en charge d'une armée qui est en train d'avancer vers... Vers le clan du dragon. Ah, le clan du dragon. Et qu'il a eu l'autorisation de l'empereur et évidemment du daimyo du clan de la grue d'utiliser tous les moyens. Et qu'est-ce que le clan de la grue y gagne ? Ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, enfin, probablement le soutien du clan de la... Enfin, le soutien de l'empereur. Mais après, je ne sais pas exactement quel objectif l'empereur et le clan de la grue a demandé... Enfin, pourquoi ils ont demandé ça, mais... C'est bon. La politique me dépasse, je crois. Moi, je dis rien, parce que j'ai sûrement compris ce qui est en train de se passer. L'impératrice est une ancienne doji, hein, je te rappelle. Oui, oui. Bon, du coup, tu sers le thé, hein, ouais. Voilà. Alors, il va attendre que vous le buviez quand même, histoire d'eux, mais il va le boire quand même, après vous. Hein. C'est pas indiscret. Dans quelle famille allez-vous être, Koichi Asama ? Oh ben, Tsume, évidemment. Je me demande si Shiro Miyamoto tombera... C'est quelque chose d'intéressant. Alors, dans l'histoire, c'est connu pour être la forteresse qui n'est jamais tombée. Hein. Oui, non, mais c'est pour ça que je dis ça. Ouais. Bon, les lions n'ont jamais réussi à faire tomber Shiro Muromoto. Après, peut-être qu'avec des armes gaijin, ils y arriveront, mais... Parfois, la montagne est récalcitrante, on va dire. Oui. Alors, c'est un peu tard, on va arrêter là, mais... On va arrêter là, oui. C'est dommage, je voulais. J'avais un peu du truc pour la fin de la conversation. On finira ça la semaine prochaine, enfin, dans 15 jours. Et puis voilà. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Ouais, bah oui. Agréable surprise de rencontrer, de revoir votre Yojimbo. Ton Yojimbo. Ça aurait été triste finalement. Mais du mauvais côté de la lame, lui, pour le coup. Oui, bah, ouais, du mauvais, non, c'est plutôt nous qui sommes du mauvais et lui du bon, hein, là, pour le coup. C'est un renim, hein, de toute façon. Ok. Bah, du coup, je ferme l'enregistrement. Merci à vous, tout ça, abonnez-vous, à plus, gros bisous. Voilà.